Clap, bonjour, yo tout le monde, c'est Agent Shirley et aujourd'hui on se retrouve, damn les gens, ça me plaisir de vous voir. Et salut à toutes les amis, c'est Agent Shirley, Pokémon, est-ce que ça va bien? Coucou. Voilà, bonsoir, YouTube, ce soir c'est peut-être le tout dernier épisode d'une autre Sauberie, on ne sait pas encore, l'avenir nous le dira. Est-ce que je vais réussir ce soir? Est-ce que... Nonotte Sauberi, c'est bientôt fini. Ça, c'est sûr, c'est bientôt fini. Mais quand? Ce soir? La semaine prochaine? Le suspense est à son comble. Et pendant que le chat vous dit bonjour, nous, on y va. La blague est valide. Là, il fallait la faire, celle-là. Allez, c'est parti. Nonotte Sauberi, vitesse 3. La semaine dernière, on avait... Nous avions fêté l'anniversaire de nos garçons. C'est avec difficulté que nous avons fait le relooking, en tout cas surtout pour Kiri. Kiri qui est l'enfant adopté, hein. C'est-à-dire celui qui n'est pas aimé. Bon, on a sauvé les meubles, hein, parce que j'ai rien touché à son physique en forme de poire. Et il est quand même pas terrible. Là, ça va, il fait moins peur. Mais quant à notre fils, Snow, notre fils, notre aîné de sang, finalement, d'une, il est bien gaulé. Et de deux, moi je le trouvais de plus en plus mignon parce que j'ai mis une des deux meilleures coupes de cheveux aussi de ce jeu. Voilà, il fait dodo et forcément il donne pas envie. Mais croyez-moi que il peut être choupi. Il peut être choupi, mais je lui ai absolument pas retouché la tronche. Et je me souviens plus, mais je crois que. Les filles vont grandir, on va avoir de la meuf, de l'adolescente qui va bientôt popper et avec qui on pourra voir si notre génération du Nonotte Sauberi et génération 10 sera sauvée ou enfouie tout jamais dans les méandres de la mocheté. Voilà notre fils. Bon, oui, il a la bouche peut-être un peu trop près du nez. Mais en vrai, ça va, hein, regardez, il a plus du tout de gras, hein, monsieur, il est bien fait, hein, il est... Voilà, voilà, il est... Non, ça va, franchement, ça va, il est... Il y a pire, il y a Kiri, par exemple. Kiri, lui, c'est une catastrophe, dans tout point. Hein, bon. Voilà. Il y en a qui sont pro-Kiri, il y en a qui sont pro-Snow, écoutez, ça... Ce sera votre problème. Les enfants vont aller à l'école. Et voilà, ils vont commencer dans une heure. Les cours, très bien. Lui, il fait son yoga. Lui, il bouffe. Il faudra qu'il aille à la douche après, celui-là aussi. Maintenant qu'il y a deux salles de bain, quand même. Il m'aura fallu du temps, mais j'ai enfin mis deux salles de bain dans cette maison. En tous les cas, on saura avant eux. Certes. Et salut Clarisse, comment vas-tu? Les jumelles vont grandir, je crois. Ouais, tout à fait. Cette coupe sale que l'on met au Sims moche. Laquelle? De dos, c'est parfait. Mais non, il est mignon. Regardez quand il est colère. Quand il est colère, ça va. Franchement, j'ai eu pire. Hein. Pas souvent, mais j'ai eu pire. Bon. Alors, c'est parti, ils vont à l'école, ils font leur vie, rien à foutre. Toi, mon garçon, tu vas passer l'aspi, parce que... zut. Toi, Pichounette, Zigouéguette, Célestette, Célestine. Voilà, tu veux jouer aux jeux vidéo? Ben non, non, ben non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'elle a? Oh là là, elle est triste, ok. Qu'est-ce qu'elle m'agace? Marine? Ah non. Marine n'est pas là. Coucou Fanny, comment tu vas? Pas colère, il est pas mal. Il y a un truc, bon ça me rassure. Merci beaucoup Fanny pour ton 7e mois d'abonnement. Gros bisous à toi, Ismaël et Boule. Merci beaucoup pour le soutif. On sera dans une pub pour les sites avec cette famille plus blanc que blanc. Ah bah alors, ça moi j'y peux rien. C'est les abonnés, ils ont dit, oh la génération 11 du Nonotte Sauberi, elle est blanche. C'est pas blanc en plus, c'est rouge. Et là, elle insulte son mari. Elle a un vrai problème, celle-là.
Tu t'excuses, wesh. Permanent. Loco marine. Comme les sœurs sorcières. Comme les sœurs sorcières. J'avais pas vu le petit cul qui bouge. Et oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'avais oublié. Alors c'est qui? Moza. Manière, responsabilité, contrôle des émotions. Donc ça c'est facile et facile. Contrôle des émotions c'est facile aussi en vrai. On va pas dire, on va pas, bah, parce que c'est l'empathie et résolution de conflit. Hop, je vais faire ça. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu vas encore faire de la trempette? Mais en même temps t'as raison, profite, c'est l'été et t'habites au bord de la plage. Je vois pas pourquoi tu devrais te restreindre, mon petit. C'est tout? T'as déjà écrit Joue à ma Sims Go là, détends-toi le fion. Ah voilà 804 Sims Flouze grâce à nos livres. Il est l'heure d'école. Oh, on est presque pauvres hein, quand même. 15304. Prochain lundi qui arrive, on va être ruinés, hein, je vous le dis. Moi. Sur la paille. Pas la papaye, hein, la paille tout court. Ah, très bien, merci de rien. Génial ce cul. Vie, c'est une nouveauté, le petit cul qui danse. Je sais que je savais que ça allait vous plaire. Donc je l'ai fait. Les sœurs Halliwell, oh purée. Halliwell. Je lui ai pas déjà demandé d'aller prendre sa douche, lui, il m'énerve. Hein. Alors, aider un collègue. Est-ce qu'on aide le collègue ou on mobilise toute l'équipe? Dites-moi tout de suite, qu'est-ce qu'il y a, mes vieilles dynasties? Pourquoi? Non mais, franchement... Tu me flingues. La paille? Ah, la paille, Media Dynasty, oui, c'est vrai. Tout à fait. Halliwell, c'est ça. Alors, est-ce qu'on apporte son aide? On mobilise toute l'équipe? C'est maintenant. Nous avons 2 aides, 3 aides. Et 1 mobilise. Ta-ta-ta. 2 mobilise, 3 mobilise. Nous sommes à égalité, 3-3. On aide pour ce mono. Le petit saumon. Et la Tana aide aussi. Quentin, la cantinade mobilise. Fanny aide, 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 aide. Ouais, non, mais là, c'est aide. C'est aide qui gagne. C'est aide qui gagne quasiment à 9 contre 5. On propose son aide. Vous êtes trop gentil. Gain de performance petit. Sachant que, j'ai pas résumé en début de... Sachant que, normalement, on devrait avoir une promotion. Parce que, vous voyez, c'est allumé. Mais la dernière fois, ça nous a déjà fait le truc. Et elle a pas eu la promotion. Et puis ça a fait mal. Ça a fait mal dans notre petit cœur de joueur de Sims. On n'a pas trop apprécié. Son dafch. Moi, je vais me faire. Sorry. Sorry, Martialoux. Un jouet dragon redoutable. Un saladier à cava. Mais. Les notes sont en hausse. Kiri a un B de moyenne. Snow à B de moyenne. Oh, Moza A. Et Feta A. Feta A. Et Moza A. C'est pas fait exprès, c'est comme ça qu'elles ont leurs notes. Es-tu putain? Elles putent, les fillettes. Alors, là, elle clignote ou ça clignote pas? Pas encore. Regardez notre Kiri Kiri Kiri. Bon, Kiri, de toute façon, il est mal gaulé. Donc quoi qu'on fasse, ça se voit pas, mais il a déjà des abdales. Il me semble. Et quoi qu'on fasse, de toute façon... Il sera mal foutu. Ah, je lui avais mis un t-shirt parce qu'il était trop moche. Elle va nager, pas. Et promotion pour Célestine! Elle
Belle célébrité, une étoile, on s'en fout. Promu au poste pire cauchemar des cuisines, Céleste gagnera désormais 115 simflouzes de l'heure de plus par heure, soit 345 simflouzes de l'heure. De l'heure. Imaginez si elle bosse 35 heures par semaine. Je veux bien le même salaire, moi. Et elle a également son bonus, 1656 simflouzes. Elle commencera sa prochaine journée de travail le jeudi à 10h. 10, 10h, 16h. Nous sommes donc au niveau 9. Il nous reste un niveau pour atteindre le 10. Et la seule chose qui reste à faire également pour cette génération, c'est avoir un enfant avec 3 traits de qualité personnelle positifs. Sachant que on va le valider avec Snow. Snow qui, lui, grandit en tant que jeune adulte dans 10 jours. Donc si on se débrouille bien, on arrive à passer 10 jours aujourd'hui avec un autre sommeil et on finit. Sinon, ce sera la semaine pro. Bon, elle, pour sa promotion, en vrai, elle fait ce qu'elle peut. Hein. On fera ce qu'elle peut et elle fera ce qu'elle peut. Zingambala. Il est beau, notre Snow. Comme eux-mêmes. Elle a des gros boobs célestes, là-bas. Ouais. Elle a des gros boobs. Ouais, fais gaffe, ta mère, elle a des couteaux, mon petit. je resterai pas à côté, moi. Pourquoi il a des étoiles, mon cul, qui dansent normal? Il a des étoiles, ton cul, qui danse? Mais il y a, moi, je vois pas d'étoiles. C'est chaud, cacao. C'est chaud, mais c'est faisable. Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire, toi? Une omelette, hein? Ouf, je t'ai pas demandé de faire une omelette, mais bon, si tu voulais. Elle pense à sa maman. Oh! Mais c'est ça que j'ai oublié de faire, les enfants! Le portrait de Céleste. J'ai pas fait son portrait. Si on termine aujourd'hui, elle aura pas son portrait de fait. La 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 la. En plus, j'y ai pensé, mais entre ce que je pense et ce que je peux faire, vous savez, il y a des mondes des fois. Hein. Alors, tu vas préparer aussi un gatsal pour tes filles. Parce que ça va être leur anniversaire. Oh là là. Ouh, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur que ça plante. Ah bah, gâteau blanc, parce que filles blanches. Je parle pas de la couleur de peau. Hein. Couleur de cheveux, plutôt. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, le look. Ah, oh, nos enfants, nos vrais enfants. Nos vrais enfants sont là. Oui, je suis une saleté, alors. L'autre, il est parti, il est trop moche pour faire partie de cette famille. De temps en temps, il a des étoiles. Kiki est bâti comme la Babybel, comme une poire. Mais une poire qu'on n'a pas envie de bouffer. Enfin, moi, j'aime pas les poires, déjà, donc... Là, de loin, il regarde la maison où il y a toute sa famille réunie. Il fait « Ah oui, et moi, j'en fais pas partie. » C'est qui, là-bas? C'est encore les voisins? On peut la suivre à la trace, la meuf. Ah, c'est une alien, regardez. Elle était pas là avant et d'un seul coup, elle a atterri sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon cœur était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. À 100 000 lieues de moi. Comment démener un sourire, tellement de souvenirs. Je suis méchante. Toujours. Everything you do makes me crazy about you. Ah, mais en fait, t'es moche. Barre-toi. Pourquoi tu parles? Reste ici. J'ai besoin d'une amie. Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux! Les gâteaux!
Ton nouveau cucu, mais c'est moi qui l'ai fait, je suis pas Martial. Moi je me fais pas piéger par le sondage. Bah je me suis pas fait piéger. Parce qu'à la base c'est moi qui lui demandais un mariage. C'est lui qui a dit oui. Ah, vous croyez qu'il va se noyer un jour? On n'a pas dit qu'on devait le garder en ville, enfin adopté. On le tue? T'as les yeux rivés sur les fesses de Anne, toi. Ah ouais. Tu dis ça comme ça, t'assumes. Quoi, non? On peut pas le tuer? C'est vrai? S'il vous plaît. C'est beau, hein, mon cucu qui danse. J'attends les petites étoiles. Et l'autre, il est dans l'eau, il fait « Ah 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 !» Moi, je fais « Oh !» et ma fille dit « Oui !» Ok. Pourquoi je comprends rien à ce que vous me dites des fois ? Mozza ! Anniversaire de Mozzarella ! Elle va fondre, qu'est-ce que tu crois ? Mozzarella, elle va fondre. Oh non, elle clignote pas encore. Vite. Oh, il a fait un prout. Bon, pour elle, pour son taf, de toute façon, 8 compétences écriture, 6 compétences cuisine gastronomique. Pff, les doigts dans le pif, hein. Même les bras entiers, j'irai. Hein. Le bras entier dans le pif. Il le fait plus maintenant, les étoiles. Bah t'avais un bug alors, parce que c'est deux trucs différents, les étoiles et les fesses. Ah, tu parles pour le tuer? Qu'est-ce que c'est? Non, tu pas pour une fois que tu adoptes. Moi, j'ai adopté un chien déjà. C'est pas mal, non? C'est même mieux. C'est parti faire lui. Et on est accro au... L'autre, il est encore dans la flotte. Il est accro au yoga, celui-là. Allez, va dormir, mon chaton. Je leur ai pas fait faire leurs devoirs. Je manque à tous mes devoirs. On s'en fout, on fout dans la flotte. Il se démerde, c'est trop con pour revenir. Ah ouais, si on s'est séparés tout à l'heure, c'était ensemble les deux. Datanote là. Mais on doit pas voir les mêmes choses, parce que moi je vois rien. Hein. Ah dis ok, quel look. J'ai dépensé car tu mérites le WAPA. Ah oui, je mérite tout moi. Sauf les trucs bien. C'est trop con, il est trop con. Parce que ça me regarde. Oh là là. Avec ce petit cul qui bouge. Ça me tue. Oh non. Il a retrouvé le chemin de la maison. Oh, quelle tristesse. Infamie que trépasse et je faiblis. Oui, rien à voir, je sais. Je voulais juste le dire. Anniversaire? Et c'est l'anniversaire des filles. C'est l'anniversaire des filles. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
Ouais, c'est l'anniversaire des meufs. Le dernier enfant du challenge. Oh, ouais, c'est la fête des meufs. Allez, tout le monde, c'est l'anniversaire. Mozza, tu feras du yoga après si tu veux. Tu t'habilles, tu te lèves et tu t'habilles. L'autre est parti faire son bain. Attends, je vais te changer. Common Center, commode, choisir la tenue, on va t'habiller. Ah, petite salopette, parce que je l'aime bien. Ça, c'est à la vie à la campagne, et moi, j'aimais bien quand c'est la campagne. Oh là là! Alors, Mozza était notre préf des deux, hein, si je dis pas de bêtises. Mozza était la plus mignonne, hein. Sorry, I am late. J'étais plongée dans mon livre depuis le retour du taf. Je viens de relever les yeux parce que l'estomac crie famine. Comme ça va? Bonsoir, Marie. Comment ça, tu sais lire, toi? Première nouvelle. Une vraie sadique, juste comme ça. On tente des trucs. Allez, Mozza, bon anniversaire! Happy birthday to you, Mozzarella! Happy birthday to you. Oh. Ok. Ok. Ouh, le petit short. Ouh, le petit short. Ouh, la belle bague. Elle a des doigts, tout va bien. Elle a pas un gros bidou comme moi. Bon, par contre, elle a pas le plus beau des hauts, mais... elle a des boobs. Elle a un lama, elle a un collier. Aïe, 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 aïe. Oh, des cheveux. Elle a des cheveux. C'est bon, on est sauvés. Elle a des cheveux. Charlie, tu as pris l'apéro avec Anne ce soir avant le live. Mais non, j'ai record ma vidéo, les enfants. Elle a des cheveux, elle a un menton. Elle a des cheveux et elle a un menton. Elle a un menton, j'ai cru voir une lèvre. Regardez, une lèvre. Oh là, je suis trop près. Oh. Oh, 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 oh. Magnifique, le bijou. Ah, ah, bah écoutez. Elle a l'air mignonne, mais bon là on voit pas grand chose. C'est un relooking s'impose, hein. Parce que là, c'est pas beau. Mozzarella vieillie, qu'est-ce qu'on lui met comme aspiration? Dites-moi tout de suite, elle est d'un trait de caractère soigné et elle sera avec 1, 2, 3, active. Oh, c'est bien, ça active. Elle pourra aller nager tout le temps comme ça, c'est bien. Petit nez pour ses lunettes, ah bah ça. Il y a toujours un petit problème de lunettes dans les Sims, elles sont pas toujours bien posées sur les nez. On a déjà mis athlète pour Snow. Elle se cache pour nous laisser le suspense des yeux, mais elle a l'air jolie. Il y a quelque chose avec la mode en aspiration, non? Je pense pas. En aspiration, il n'y a pas la mode... popularité, c'est... D'ailleurs, il y a des trucs que j'ai même pas fait. Confident du quartier, ça, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas fait. Il faudra vraiment qu'on se penche là-dessus. On pourra le faire, hein, une fois que notre soubiri sera fini. Faudra bien qu'on trouve des choses à faire en live. Cuisine pour Mozzarella. Effectivement, elle va devenir un fromage star. Archéologie. La spie de mon Kobo machin. Une star? La star Mozza ou la cuisine? Cuisine! Ce serait que pour un fromage, c'est pas mal de faire de la cuisine. Qu'est-ce que vous en dites? Star Wars, ça va, Star Wars, hein, et je les ai assez vus, c'est ça. Ah, j'étais traumatisée avec le Legacy, là. Star Wars par-ci, Star Wars par-là, les vampires par-ci, vampires par-là. Oh, les aspirations de marde, ça m'a saoulé. Legacy, oui, je m'en souviens. Cuisine, parce que la place de la femme, ça, la cuisine.
Avec tous tes diplômes, ta place, c'est la cuisine. On jouera pas avec, non, c'est sûr. Allez, cuisine, alors, du coup. Vous êtes grand chef ou mixologue? Non, grand chef. Ça changera. Ok. Baby, baby, tu peux mettre ça. Qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'adolescente. Tiens, si tu veux t'emmerder, tiens, viens. Et toi aussi, tu souffles. Viens ici. Non, moi, toi, c'est Kiri, on s'en fout. Ouais, ce qu'il demandait. J'ai vu qu'il demandait un conseil, mais c'est Kiri. On s'en fout. Allez, feta. Feta salakis, bon les deux brebis. Marthe. Je dirais qu'elle va être... J'arrive pas à me poster... Voilà. Et vous savez, j'ai peur maintenant. Je suis toujours traumatisée de voir le pseudo Marine s'afficher. Vous savez, je ne vis plus. Marine me fait peur. Wesh. Merci Marine. Du coup, je dis Marine à la fête, Marie. Oh, vous avez des trop prénoms trop pareils. Ça suffit. Merci Marie pour ton resub. Merci beaucoup et gros bisous à toi. Les boules, les poux. Merci pour le soutif. Ça fait plaisir. Coucou Lydie, comment vas-tu? Coucou HMB Camco 3126. Comment vas-tu? Elle peut pas essayer une autre tenue qu'on voit ses mirettes. Oui. On va le faire, t'inquiète pas. Et c'est parti. Happy birthday, Feta. Est-ce que tu restes encore moche? On ne le sait pas. Qu'est-ce que c'est que ce beau feta? C'est tellement dégueulasse. My goodness. Oh, c'est quoi cette tenue? Ça commence très mal. Oh là, oh mon dieu. Non, c'est quoi ces fringues là? Il n'y a rien qui va, feta. Il n'y a rien qui va. Oh merde, j'ai spoilé. J'ai spoilé la coupe de cheveux. Oh. Elle a un menton, une bouche. Un nez. Un nez qui est sans bijoux. Et des yeux. Ouf, par contre, oh la vache, les sourcils. De la mort qui tue. Ça, c'est de sensé, là. Ah, il y en a à bouffer pour plusieurs générations encore. Hein. Tu commences à tailler dedans, t'en as pour 2-3 générations derrière. Hein. Fais ta vaisselle. ça va, HMB. Je ne m'en sors pas de soucis, même Yoda, fais-lui des calings. Ouf, fais ta chambre. Les sourcils me tuent. Des grosses chenilles. Elle a fait un élevage. Est-ce que vous avez une idée pour l'aspiration de Feta? Elle est déjà enfant de l'océan, ce qui collait bien parce qu'elle a grandi au bord de l'eau. Elle sera aussi un. 3. Bien élevé. Bon, écoutez, pourquoi pas. Aspiration bien-être, elle pourra se faire tailler les sourcils gratos. Oh, oh là là, elle va devenir esthéticienne, hein. La nervicieuse. Mais sans ça, elle est mignonne, faut aller à l'esthéticienne. Bah, enfant de l'océan, c'est enfant des îles, c'est une aspiration de lieu. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas enfant des îles en aspiration. Si? Non, je pense que c'est dans nature. Il n'y a pas. There is no, nous, enfants des îles en aspiration, les enfants. Elle n'a pas un air commode. Oh, bah, c'est les feta. Hein. Feta salakis au bonnet de brebis. Feta épier et sourcils, fichtre. Tout à fait. Vie à la plage. Un truc avec la mer. Non, enfant des îles, c'est un trait. Ouais, parce que là, j'ai déjà enfant de l'océan, donc ouais. Non, dans lieu, j'ai vie à la plage. J'ai signe originaire de la ville, parfaitement impeccable, fabuleusement sale. Pareil, c'est deux aspirations que j'ai jamais fait. Visiteuse du Mont Komorebi et mystère de Strangerville. Donc, vous m'avez dit quoi? Écolo ou vie à la plage?
Bah, le truc d'écologie, c'est que c'est ça, c'est éco-innovatrice. Voilà. Non, pas populaire. Populaire. Via la plage. Ok, via la plage. Ah, ce look. Qu'est-ce qu'elle a à faire la gueule là? Viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la coupe de cheveux! Mazette! Bon, avec un relooking, ça ira mieux, hein, on va pas se... Voilà, ce sera mieux. Ah bah elle est... Bah écoute, elle va se faire une nouvelle petite tenue. Bon, elle est accro, lunettes, hein. Oh. Accro aux lunettes et au piercing, notre petite Mozza. Mais elle est jolie. J'ai entendu pompe funèbre au lieu de populaire. Déformation professionnelle, note la Xiloul. T'es horrible! Oh là là, Marie. Marie, elle aime bien les morts. Bref. Et coucou Corinette, comment vas-tu? Relookage extrême. Elle est jolie, Mozza. Mais déjà, rien que Bambine, on préférait Mozza à sa sœur parce qu'on la trouvait plus mignonne. Là, j'avoue qu'elle a un truc, hein. Elle est très mignonne, hein. Donc ça va être sympa quand on va les relooker après l'épisode. Hein. Ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà, donc il est 6h du matin. Oh la vache! J'avais pas vu qu'il avait embarqué le truc, lui! Il est en train de faire le zozo sur l'aquazip. Heureusement, les filles relèvent le niveau. T'es taffé. Il s'éclate. Hein. Souvenez-vous, ouais, voilà, j'avais fait des pauses comme ça pour Iowa. Oh, purée! Ah, il s'est mangé son propre bras. Ça fait mal, hein. Je sais pas comment tu retombes, mon gars, mais. Non, ça va, il est toujours entier. Voilà. Snow, bah lui, est BG, hein. Bon. Elle est pas moche. Feta n'est pas moche du tout. Mais effectivement, ni la coiffure, ni les sourcils lui vont. Ni les fringues. En fait, c'est une catastrophe niveau. Il faut tout revoir de A à Z niveau look. Hein. Là, c'est sûr. Mais elle est mignonne. Elle est très mignonne aussi. Ah bah voilà avec sa soeur. Elle est accro aux lunettes et au piercing. Chacun ses tares, hein. Qu'est-ce qu'il y a? T'as plus d'abdos? Ça va pas du tout, ça, Jean-Claude. D'ailleurs, il faut que tu fasses tes devoirs, ça va être l'école. Pour une demi-heure. C'est quoi ces fringues? Oh my god, je suis choquée, Kécho. Par contre, ils sont tous fous du yoga dans cette famille maintenant. C'est même Célestine, elle le fait. Enfin, Célestine. Eh, mais va bouffer en fait. Bon, toi, tu commences à 10h, ça va. Mais bon, faut manger. Ah, oh, mon Dieu! Qui est mort? Clément Colette a été adoptée par le foyer Martin. Ah, c'est pour ça qu'elle pleure. Qui est mort? On nous parle d'adoption, c'est quelqu'un qui s'appelle Colette, j'imagine alors? Mais on s'en fout, on connaît pas nous les Colettes. Oh, le look, mon... Ah non, c'est pas possible. Qui est mort? Marie? Marie Lewis, Opaline, on savait. Pomme, on le savait. Erin, le Hulk. Bah, on savait tout ça, qui c'est qui est. Je ne vois pas qui est mort. C'est l'heure de l'école, mon biquet. Allez, vas-y. T'auras pas fait entièrement tes devoirs, mais c'est pas grave. Alors, toi, ma biche, tu vas faire tout ça et tu vas faire tes devoirs. Ah, bombe émotionnelle, c'est surtout celui-là que je déteste, c'est génial.
suis morte, on voit Vlad qui passe dans le fond. Ah oui, non, notre Vlad à nous, parce que les Vlad, il n'y en a pas. Le Hulk est mort. Bah oui, Marie, t'as loupé pas mal de trucs, hein. Mais alors là, c'est une belle tenue pour faire du sport. On dirait une toupie, le machin. Je sais pas, c'est... Ah non, bon, c'est effectivement une tenue pour Lord and Lady que j'ai même pas utilisée parce qu'elle est pas très très belle au final portée, mais bon, c'est pas grave, hein. On fera avec, hein. Par contre, il va falloir qu'elle se décongestionne, voilà. Parce que pour le boulot, c'est pas bien. Elle se décongestionne la tristitude. Ouais, c'est comme ça que je parle, moi. Parce que je vous rappelle qu'on doit atteindre un niveau 10 pour elle. Ah là là. Qui? Kiri. On s'en fout. Il est compatissant, Kiri. Ce qui est bien. En soi, et c'est très bien. Mince, je me suis trompée. C'est, tu vas appeler Souhaite Tristesse aussi après. Elle aime bien les... Elle aime bien. Je t'en prie, arrête en fait. Arrête à... Ah, t'as un look toi, mais il y a rien qui va, ma biche, hein. C'est une cata. Allez, va faire tes devoirs, je pense que ce sera mieux. Franchement, qui c'est qui a dit qu'elle devait se lancer dans la mode? Hein? Parce que là, ça va pas du tout, hein. Lord and Lady Yoga. Ah, c'est ça. Ça fait trop la fille qui veut partir avec son déguisement, mais si ça se porte pour tout d'abord, c'est ça. Est-ce qu'elle aime vraiment une poire? Ouais, non, c'est pas la plus belle détenue. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, tu vas bosser? Bon, bah... Il y a au moins ça qui va s'en aller. Avec un peu de chance, ça sera... Bon, voilà, tristitude, c'est combien? C'est plus 3. Concentré plus 3. Ça devrait aller, hein. Ça devrait compenser, hein. Dès qu'elle a pu ça... Et voilà. Non, elle est concentrée, c'est merveilleux. Tu vas donc manger au restaurant, voilà, ça va faire un peu monter sa moyenne. Donc les filles, elles font leur devoir. Et tu vas travailler dur. T'es sérieuse? Tu dois aller aux toilettes et tu sais pas y aller toute seule? Aïe, 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 aïe. Mathias Brockman. C'est papy. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est parti où, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Tu vas pas célébrer ta femme? Elle y est pour rien, ta femme. C'était pas son anniversaire. Alors, toi, il a faim. Pour une fois qu'il a vraiment faim, tu vas prendre des restes. Voilà. Hein, Mozza? On aimerait... Enfin, ouais, on aimerait te voir quand même sans lunettes de soleil. C'est possible ou pas? Oh, punaise, mais elle aussi? Oh! Mais c'est ça depuis tous les jours? Coucou, je suis une noble. Je suis une noble dans Soulané, ouais. T'as vu mon bonnet ou quoi, ouais? Brrr. Magnifique, hein. Alors, looking, là, ça fait mal, hein. J'ai jamais eu autant de CC qui s'ajoutaient tout seul. Mets-toi en maillot de bain. Non, tu veux pas? Ouais. Si? Ah, c'est mieux. Là, tu es dans ton élément naturel. Regardez, elle fait le petit sourire, genre « Oh, je suis jolie. » Et pas toi. Ma petite Mozza... ça va. Un petit peu pointu tout ça, mais ça va. Bah écoute, je m'en fous. Vas-y, fais ta vie, va te divertir un petit peu. Toi, tu peux manger. Que tu peux te bouger en fait. Ah.
Bah, je t'ai dit d'aller bouffer. Je sais pas ce qu'il te faut, hein. Bon, le divertissement, elle connaît pas, la demoiselle, là. Bon, c'est vrai qu'on a cassé notre télé, mais elle coûte cher, la télé. Bon, allez. Qu'est-ce qu'elles ont, les deux, là, râler ? Non, mais oh ! Saleté, là. Mais que bella. Une beauté, elle a tout gagné. C'était Mozza qui devait se lancer dans la mode. Bon, tant mieux, alors, ça va. Que c'était pas Mozza, ah, quel enfer. Fais voir tes fringues. Ah, mais elle a mis la même tenue ici et ici. Oh, yo. Oh là là. Oh, mais l'enfer. Oh, mais quel enfer. C'est horrible. Toutes ces fringues sont moches. Toutes ces fringues sont moches. Ouais, à la limite, en maillot de bain, t'es moins dégueulasse. Tu vas rester en maillot de bain. Allez, va nager. Va nager, ça te fera du bien. On va prendre l'air un peu. En attendant de faire... voilà. Le relooking qui reviendra bientôt. Bon, je pense qu'on finira la semaine pro. Je pense. Ah oui, relooking s'impose. De ouf. Ah, l'école est finie. Mais Dieu est déjà reparti se coucher. Oh, qu'est-ce qu'il a, mon petit. Regardez, il est tout beau, tout blanc, avec la chemise du kit tenue masculine, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on a pu l'utiliser un tout petit peu, ce kit-là, pour les garçons. C'est la première fois que je relook des garçons avec des fringues autres que du Lord & Lady, donc j'ai pu enfin utiliser le kit. Toi, tu devais pas pêcher. Ah, mais déjà niveau 3. Ah, ok. Ouais, écoute, fais ta vie. Parle de cuisine. Partage des astuces de Sims sociable. Et 2070 Simflous pour Céleste aujourd'hui. Pas de promotion. On n'a pas beaucoup avancé non plus. Ah, elle est triste. Ah, t'es chiante. Tu vas te donner des paroles d'encouragement. Tu vas appeler SOS Tristesse. Je veux rien savoir. Heureusement, ses parents sont déjà morts. Si proche de la fin, quand même. Être triste, ça sert pas à grand chose. Oh mon Dieu, Huge. Non, Huge. Huge, c'était son amant. Mais il s'est passé des choses qu'une seule fois avec lui, mais... C'est une fois de trop. Toi, tu peux réparer. Bon alors, mon biquet, tu sais pas te gérer. Regardez, on a encore utilisé un pull. Mais il est fatigué. Oh là là, tu iras t'asseoir et tu feras tes devoirs, mon garçon. Voilà, regardez, c'est pur. C'est bon. Elle a besoin de se détendre. Elle va se détendre, là, ma choupette. Vas-y, détends-toi. Elle a déjà oublié qui c'est qui est mort, déjà. Ah, je sais plus. Lui non plus, ça va pas. Oh là là, mais qu'est-ce qui... Ah, les adolescents. Mais si, t'es beau gosse, oh là là. N'écoute pas les abonnés qui disent que c'est pas vrai. Ils savent pas, ils ont pas de goût, ces gens-là, tu sais. Ah, par contre, je suis pas forcément d'accord avec le gant, mais bon. Fais du travail supplémentaire. Oh, j'avais oublié, je l'avais envoyé là-bas. Vas-y, reviens. Jésus, reviens. Oh là là. Voilà, elle a pris le fitness. Eh, moi je fais pas ça par hasard pour mes enfants. C'est avec un but précis. Certains c'est pour les tuer, certes, mais... Je le dis pas directement. Oh là, c'est bien.
Est-ce que ton père, il peut rien t'apprendre, ton père? Peut t'apprendre des trucs sur la manière cognitive. Une histoire incroyable. It's a rack. Peut plus leur apprendre des trucs. On préfère Moza, c'est comme ça. Marine, quand même, je te vois dans la liste vilaine. Ah oui. Ah oui. I see. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est l'autre qui ronfle, hein, oui. C'est Kiri. 21h, c'est déjà fatigué, les enfants. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi ces enfants de Wish, là, qui tiennent pas la route, là? Mozzarella devient une bonne amie de Vlad. Tant mieux. Qu'est-ce qu'elle veut, là, la chenille? C'est la chenille qui redémarre. Zerba. Ah. Ça, c'est avec les Américains qui parlent comme ça. Tiens, t'iras nettoyer légèrement. Bah, maman, tu pourrais au moins me partager la bouffe que t'es en train de faire, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens, tu vas cuisiner, Moza. Ouais, comme ça, tu es désignée à faire de la salade. Juste pour pas mettre le feu tout de suite à la maison, tu feras la salade. Salade! Salade! Ah là là, c'est dur de la laitue, hein. Ça fait mal au doigt, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'elle... Ah oui, bah oui, parce qu'en plus, elle veut faire la cuisine. Ça tombe bien. J'ai pas fait par hasard. Les garçons, vous venir manger pour que vous grandissiez bien. L'autre, c'est son côté Daichi. Ce qui ressemble un petit peu à Daichi. Je trouve que le peignoir, ça va bien, Daichi. Lui, c'est ma 4... Ah bah écoute, tu pues, j'y peux rien, c'est les hormones, mon garçon. Hein, c'est normal, tu testostérone, tout ça, ça fait des fois des trucs, et en général, vous puez, les garçons. Bon, vous en rendez pas compte tout de suite que vous puez, mais... Nous, oui. Et ça pue. Qu'est-ce qu'elle a? Tu iras te laver, Jeannette, et puis hop. Mais c'est pas possible, elle a encore une autre paire de lunettes quand elle dort. Cette meuf adore les lunettes. Ça lui va bien en plus, hein. Ah, bon, on va peut-être la relooker avec des lunettes, ça pourrait être rigolo. Sachant qu'on en a très peu avec des lunettes. Voilà, ça c'était le cri du cœur. Tu vas écrire un livre de genre guide d'entraînement. Golidiz. On fout. Ah non! Non! Contrôle des émotions, c'est facile, ça pour ça est court. Responsabilité, fais ses devoirs. Pipi dodo, Jeannot Lapin. Bon, il est parti dormir avant d'aller pisser. Non, c'est bon, il y a une petite envie pissie. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah oui, il va se doux. Oui. Mais il est où, lui? Mais qu'est-ce... Après, il se plaint parce que... Eh là là, je suis fatiguée et tout. Il arrête pas de... Je sais pas quelle heure il est. Il est 3h du matin. Le mec, il va faire du yoga, quoi. Non, mais... À un moment donné, comment voulez-vous qu'on y arrive si les Sims se mettent de mettre pas du sien, ne leur mettent pas du leur? Enfin, bref, vous avez compris. Ça sent chacal, comme on dit. Ça, c'est toi qui le dis. On va laisser les lunettes... De Moza, je trouve que ça lui va trop bien. Oui. C'est la soirée en ville. Les enfants vont aller à l'école. Oh, regardez, se lever en fanfare.
Mais les filles, vous allez vous faire jeter des tomates pourries avec votre look, hein. Mais quel enfer! L'autre avec sa robe médiévale et l'autre avec sa toile de jute. Avec son casque et ses chenilles, quoi. Incroyable. Bon, tu peux y aller aussi, Jeannot, hein. Mon lapin. Ouais. Avant le relooking, on dirait que c'est Snow le plus beau, comme eux-mêmes. Excusez-moi, mais je retourne lire. Le suspense est trop fort pour ma pauvre personne. Des bisous du lave, visage bisous. Lave-hôtel. Suçon. Lave-hôtel. Suçon. Lave-hôtel. Suçon. Visage bisous. Visage bisous. Bombe de table. Eh ben, à plus Marinus. Ah, ça me teint dans la nuque. Dans la nuque. Tiens, tu vas faire zigouigoui à côté. On dirait une gueuse. Ouais, c'est ça. Oh la vache, elle nous a collé quoi, là? Elle nous a chien. On a une femme de ménage qui y va. Vas-y, t'inquiète. Oh, merde. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas aller nager. Fais-toi plaisir. Va prendre l'air. Va prendre... Qu'est-ce qu'il a? Encore les gamins? Snow. Manière ou empathie? Ah, on va faire l'empathie. Vincent. Vincent aime le maquillage. Hein. Vincent aime le maquillage. Moi, je vois rien contre. C'est pas un truc qui me... On va les ignorer. Mais j'ai l'impression que c'était nouveau... Ah oui, t'as du mal à sortir de l'eau, ma biquette. Hein. J'ai l'impression que c'était du maquillage de carnaval. C'est pour ça. Que j'ai un peu kéblou dessus. Alors, la femme de ménage fait le ménage. Il y a du taf pour madame. Hein. Ouais, on a fait tout exprès. Sophie, d'accord, bien. Elle va nettoyer la baignoire, elle va nettoyer les toilettes, elle va passer l'aspirateur. Clément. Kiri a rencontré Patrick. L'aspirateur, c'est en option? Gourdasse! Oh, je vous jure, le petit personnel de nos jours, ça ne va plus. Hein. Toi, tu vas passer l'aspi. Qu'est-ce que t'es parti encore faire? Voilà. Je veux plus voir un petit mouton. Ou un lapin. Quand même. Bonne nuit Samantha, des bisous, à bientôt. Tu as du courrier? Comme d'hab. Oui mais c'était les trucs d'anniversaire là. Donc c'est pas très intéressant. C'est pas les factures. Putain, rencontrer Alexandre et la responsabilité de Snow est compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Pendant leur déjeuner, les lycéens ont été donné leur devoir. Ah, pour Kiri! Il peut grandir. Mozza et Feta, bof, on sait pas. Qu'est-ce qu'elle a? Caca colère? Caca colère. Tu vas faire caca colère alors. Fais caca colère. Tu vas être douché aussi, ça va te calmer. Douche froide, gelée même, j'ai envie de dire. Et tu mangeras des restes, ma petite. Voilà. Hein, regardez-le. Ça va? Hein? Pas trop mal, l'animal. Pas trop mal. Et 2070, j'ai complètement oublié de gérer Céleste qui est malade. Mais c'est pas grave, elle est déjà excellente. Elle est déjà excellente. J'ai l'impression qu'on vient de commencer, ça fait quand même 55 minutes. Mais j'ai quand même cette petite impression que... Tout va bien se passer. Non, tu vas
Essaye de te calmer. Tu fais rien, ce nounours. Maman, mangez. Maman, mangez, gastronomique. Du maquis au thon. Hop, allez. Ah, on a notre noble qui a fini ses ablutions. Mais au moins, elle a associé le bonnet à la robe. Ça reste quand même un effort. C'est pas certes la même couleur, mais c'est en camailleux. Donc ça passe. Bonne nuit, Béanaïs, des bisous. Ouh. Aussi, j'aime coucher. Et un cœur de Soulani. Attends, tu vas mieux. Divertis-toi. Regarde donc la télé. Oh non, j'aime pas quand ils demandent des conseils. C'est chiant, ils en demandent trop. En ce moment, c'est tout le temps les conseils. La semaine dernière, c'était ça aussi. Ah, alors, mon tapatis, mais les manières. Ouais. J'ai rien foutu, mais je suis fatiguée. Bah moi, j'ai foutu. Et je suis fatiguée. On s'en fout d'Isabelle Bonnet. Papa, papa, pam. Et c'est un niveau 10 en cuisine gastronomique. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Je regarde rapidement sur les règles d'une autre Sauberry. Maximum compétences photographiques, cuisine, éducation, ça nous l'avons déjà. Maximum de la carte critique, trick-it, nous sommes au niveau 9 sur 10. Compétences d'aspiration, super parents, nous reste une seule chose à valider. Se marier avec son amour de lycée, de rester toute sa vie avec, c'est le cas. Avoir une serventure secrète, c'est le cas. Et adopter au moins un enfant, c'est le cas. Nous avons bientôt fêlé. Je me demande combien de temps on a avant de faire tout fêlé. Oui, je parle pas la France, c'est pas grave. Toi, tu m'aimes. Je voulais dire toi-même, mais c'est devenu toi, tu m'aimes. On dirait moi, c'est moi. Je suis très joueuse. Je vais finir par m'exploser la gueule par terre, là, et morte d'hystérie, tu vas voir. Puis la faucheuse, elle débarquera avec ses chaussons lapins, j'aurais rien compris. Quand même, mauvais rêve. Vous savez, demain c'est mercredi, et demain. Normalement, on fait le menot soubéry le mercredi, mais demain c'est mercredi, et demain je vais me bouffer Burger King. Oui. Peut-être. J'en ai bouffé trois fois de suite, là, trois semaines de suite. Je vais voir si demain je serai d'humeur burger ou pas. Je sais pas ce que t'as fumé, Charlie, mais c'est de la... J'ai fumé du Game Pack. Mariage. Crois-moi, c'est ça qui est de la bonne. Je suis contente. T'as pété? J'ai entendu quelqu'un qui pétait. C'est vous dans le chat? Vous avez pété? J'ai fait Burger King hier, t'as pris quoi? Moi, je sais, je vais me faire encore engueuler. Parce que je parle de bouffe. Regardez ça, moi aussi je veux voir ça de chez moi. Faut que je déménage. Moi aussi je veux voir la mer de chez moi. Je suis triste. Oh, y a un saut tristesse. Ouais, quand même, hein, j'ai beau ne pas aimer ce gamin,
On a fait quand même du mieux qu'on pouvait pour le relooker. Et en vrai, ça va, hein, ça lui va. C'est juste vrai que de face, peut-être que le pantalon il est trop bas. Mais la petite chemise, elle lui va bien, la coupe de cheveux lui va bien et tout, hein. Comme eux-mêmes, hein, je ne suis pas un monstre, hein. Enfin, pas tout le temps. Pas quand je veux pas. Tiens, tu as aidé ta fille, je suis sûre qu'elle va pas réussir à faire ça toute seule. Alors, où en est Snow de ses capacités personnelles? Pas des capacités, c'est qualités. Alors, nous avons le contrôle des émotions, nous avons la responsabilité. Ah, les manières, les manières. Où es-tu? Mais arrête de faire du yoga, mon chaton. Tu vois, il suffit de lui dire. Viens, viens, viens. Tu vas venir là et tu vas parler à ta soeur. Tu vas raconter une histoire délicieuse hein, que t'as vue sur Insta. Et à ton frère qui rit aussi. De toute façon, il faut qu'il soit vert hein, pour être poli. Il n'est pas vert, il est bleu. Parce qu'il est confiant. Sacré boobs, hein, quand même. Bravo, Feta! Alors, elle a que la responsabilité. On va travailler tout ça. Et elle, responsabilité. Maman! Fringo Bazelorn! J'aime bien quand ils se mettent tous à chanter. Comment ça? Bah ils sont excellents les tons. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ah mais elle veut pas manger du poisson parce qu'elle va me casser les reins. Enfant de l'océan, elle va me casser les reins avec le thon. Oh là là. Ah non mais c'est bien d'avoir des convictions, hein, mais dans les Sims, moi j'oublie. Hein. Là, tous les végétariens, à un moment donné, ils bouffent de la viande. Hein. Je suis désolée, mais... Dans la vraie vie, ça ne pourrait pas arriver, évidemment. Tu peux pas dire à quelqu'un, vas-y, bouffe. Et la personne qui dit rien jusqu'à temps qu'elle dise, ah mais il y avait de la viande, c'est dégueulasse, j'ai mal au ventre. Il va vous le dire avant. Les Sims, ils sont cons. Ils continuent de manger même s'ils aiment pas. Ça déraille. Mais non, ça déraille pas. Galette chef croustillante avec une barquette de frites, fromage, bacon. Ah ouais. D'accord. Au moins, on s'ennuie pas ce soir. Parce que vous ennuyez, Damiton? Je note. Ah bah regardez. Avec sa robe de l'ancien temps, elle regarde un vieux film des anciens temps. Un film sans parole. C'est une intervention. On sait jamais. Ça casse un peu la musique, mais ça va revenir. Voilà. Par contre, je me souviens pas avoir vu ce film. Et la meuf, elle a gerbé comme ça. C'était dégueulasse. C'est quoi, c'est cauchemar en cuisine? Il y a une chébesse qui est venue? Je ne suis plus un bébé en... Alors, empathie, responsabilité, résolution de conflit. Va augmenter l'empathie. Mais si, ça va. Responsabilité, elle va remonter en flèche, t'inquiète. Pardon. Je vais regarder le film. Un chien qui renverse, ouais. Un chat qui va manger des plats. Un chien qui se roule dans les ordures. Quel bordel dans la cuisine. Ok.
Je savais que tu allais dire ça, non, Sandy n'a jamais su. Là, vous faites chier, par exemple. Moi, je suis à fond dans l'histoire du film, que je comprends pas forcément. Vous, vous ennuyez pendant ce temps-là. Perso, je m'ennuie. Quand tu streams pas, va falloir que je trouve un truc pour demain soir. I am so sorry. Eh, mais toi, mais va bosser, garçon. Mais pourquoi c'est... Oh, je discutais avec ma fille, j'avais pas vu que je devais aller travailler. Et hop, elle va faire du yoga. Non mais c'est un petit peu trop le yoga, les enfants. On est vendredi, c'est le week-end, ils vont être là tout le temps, ça va être chiant. Ça veut dire qu'elle, elle pourra pas avancer non plus dans sa carrière. Ils vont faire du bénévolat, les enfants. Ils vont tous partir faire du bénévolat. Ouais, tous. Et 170 simflouz, tu vas pipi et tu vas dormir. Oh. Oui, la suite de notre série que j'ai loin d'avoir fini. La suite ou le début? Parce que là, nous sommes dans à la fin. Alors, si t'as une suite à la fin... T'es dans le turfu, toi. T'es dans... Ou t'es prise dans une boucle, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il a quoi, son problème? Il doit pisser, mais vas-y! Mais il sait pas, hein. Oh non, les maquis sont tout fourris. Oh là là. Les maquis, ils ont pourri. Il sait pas se gérer, ce garçon. Ah bah, ils ont pourri. Bah, tant que tu te décides d'aller aux toilettes aussi, mon garçon. Je suis désolée, mais j'y peux rien, moi. Hein. C'était bête. Hein. Manger un repas rapide. Vas-y, mange des céréales. Ah, Célestine. Non, mais tu viens de dormir. Fais une sieste, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve quand ils sont fatigués, quand ils sont malades comme ça, parce qu'il faut juste faire une sieste. Ouais, tu retourneras dormir aussi, toi. Elle se lève, elle fait le ménage. Voilà, la responsabilité. Ça ne tient qu'à un fil. Alors, toi, tu vas servir le petit déj, tu vas faire la salade de fruits. Pour une future cuisinière. C'est elle qui... Oui, c'est elle. Elles vont super bien, ces petites lunettes-là. Perso, je me fais des films d'horreur quand pas stream. Ah, parce que ça te manque. Tu préfères regarder des monstres tout aussi effrayants que moi. Petite copine. C'est vrai, mais moi, j'ai des streams en retard. Enfin, j'ai des streams en retard. C'est pas du tout des streams. C'est vraiment des vidéos. Mais, alors, toi déjà, tu vas bouffer ta salade de fruits que ta sœur a fait. Toi, t'arrêtes de traîner dans les trucs, là. Et tu jettes. T'es pas fini, toi. Hein. Dès qu'ils ont tous mangé, bu, pissé, douché, tout ça, ça dégage. Ah, non, tu vas manger. Voilà, prends une portion. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu manges ta salade là? Ça part après en empathie là. En bénévolat. Tiens, Nila! On est au niveau 9, on gagne 2000 par jour. Tu crois vraiment qu'on va changer? Discuter avec Feta, ouais. C'est bon, tout le monde est prêt? Et lui? Ah, lui, il est tendu, mais c'est bon. Ok, allez, bénévolat. C'est où? Elle était bonne, celle-là. Parcours Plopsy, acheter des trucs. Faire du bénévolat. Alors, on va prendre tout le monde, parce que nous, on est comme ça. On est un service au grand cœur et on va faire du nettoyage sur la plage. Allez! Il y a du look. Bonne nuit à Elanor, des bisous, bonne soirée. Je suis pas dépaysée comme ça. Bah oui, bah j'imagine. C'est bien, c'est bien.
suis peut-être un peu moins ensanglantée. Je sais pas s'il y a du sang avec. Mais t'as regardé quoi comme film récemment? Fais-moi rêver. J'aime bien les films d'horreur, moi aussi. Alors, Snow a vu deux bénévoles se battre pour le même sac de déchets. Doit-il intervenir dans cette dispute? Essayer de faire de la médiation? Rester en dehors de ça? Et c'est vous qui allez choisir. Sondage. Et non, je n'ai toujours pas la petite voix de Martial. Je vois un petit chaton qui dort d'ici, c'est mon Tyrion. Mon bobo Titi, il est trop beau. Mon bibi, c'est ton amour. Oh là là. Oh là là. Ah là là, ils sont beaux mes bébés. Ils sont tous les deux en train de roupiller là. C'est la grosse fatigue. Le sondage est donc lancé pour être quelques secondes pour répéter pour savoir si vous allez réussir ou pas. Bien sûr, ceux qui se seront trompés seront bannis à vie de ce stream évidemment. Je regarde. Alors, mais c'est pas de l'horreur ça, il paraît que c'est nul. Alors, c'est essayer de faire de la médiation qui a gagné. Demain, j'ai mon premier commentaire composé en français. En entraînement, je serai sa mort. Oula, pour commentaire composé. Ça me parle, mais là, je suis dans le flou. Je suis pas sûre de savoir de quoi on parle. Et coucou Laura. J'ai voté même si j'arrive pas à lire les propositions. Essayer de faire de la médiation et rester en dehors de ça. Merci. Snow essaie de s'interposer, mais un des bénévoles le fait tomber accidentellement. Tout le monde réalise combien cette dispute est absurde et fait la proute. Snow Rainbow a gagné de la résolution au conflit en résolvant la dispute sur la plage, mais a perdu de l'hygiène en tombant dans le sable. Je regardais ta vidéo sur le nouveau pack, pas vu le sondage. Oh, mamie Yoda! Tends tes fesses un peu. Vas-y. Ouh, coquine! Je me décasse, toi. Hein, il est mignon, mais 2 minutes par jour, celui-là. Mon titi! Mais viens, mon petit cœur! Tu faisais dodo, mon fils. Tu faisais gros dodo. Bah oui, maman est venue te voir. Ouais, mais j'aurais pas dû venir vous voir. C'est toujours la même histoire. Ah là là. Voilà. Ah. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu vas faire comme connerie, toi? Je le sens que tu vas faire des conneries. Mon bébé.
Oh, t'es beau. Et au moins là, il n'a pas l'air traumatisé de la vie. Hein? Ça va, mon titi? Et ça va, mon cœur? Il se sent pas forcé. Alors, il est quelle heure? Il est 13h. Bon, ils vont repartir, hein. En vrai, ils vont repartir, hein. Ah non! L'école, c'est nul. Toi aussi, t'es nul. Ça, c'est le chiant. Tu arrêtes? Tu arrêtes d'emmerder ton frère? Tu arrêtes? Eh, hey, descends. Laisse-le tranquille. Puisque j'ai toujours Titi. Il est toujours là. Parce que si je le pose, je sais que l'autre, il va l'emmerder direct. Alors, l'école, c'est nul! Sensibilité, manière, contrôle des émotions. Même si je veux pas, mais qu'il nous fasse passer le stade. Mais bon. Allez, Titoun. Beauté. Mon petit cœur. C'est le truc du bac français. Ah oui, donc ok, je vois. Donc ouais, c'est. Ouais, mais c'est vieux dans mes souvenirs, moi. Il va aller voir son frère, il veut jouer avec. Oh, t'es tout doux, Titi, dans ta boîte. T'es tout doux, mon garçon. Il est tout doux. Il est libre là-bas. Eh ben, ils vont retourner faire du bénévolat parce que c'est bien. Et ça les occupe pendant un certain temps. Et j'ai pas à jouer. Soupe populaire. Vire ton cul du clavier. Ah, c'est insupportable, hein. Vas-y, mais fous-moi ton trou de balle dans le nez aussi, mon grenier. La chef de la soupe populaire demande à Mozzarella de goûter la soupe. Elle est beaucoup trop salée et vraiment dégoûtante. Mozzarella doit-elle dire la vérité et risquer d'offenser la chef? Ou mentir et risquer d'offenser les clients? Ah! Ah! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dire la vérité, complimenter la soupe, c'est vous qui décidationnez. Comme d'habitude. Le titi de lumière sous les projecteurs. Là, j'ai l'un dedans, l'autre au-dessus. Ça commence à faire lourd tout ça. C'est nous! C'est nous! Ah, Thierry, regardez la tronche qu'il fait. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mon garçon! Là, il commence à se dire, ça commence à puer. Je pense qu'il va pas tarder à partir. Hein? C'est pas normal, ça, mon cœur. Hein? Mais oui, mais c'est ton frère, il arrête pas de casser les pieds. Lui, il est tellement beau dans sa boîte, là. Qu'est-ce qu'il est beau. Il a son air tout contrarié. Voilà, il est descendu. Tu vas tout à l'heure? Bah vas-y, hein, c'est à toi. Hein. Toi, tu fais quoi? Avec ton gros cul, à marcher sur le clavier. T'es chiant. Alors, 92% dire la vérité. Je le jure, je le jure, je le très grand jure. C'est pas des clients. Oui, bah écoute, c'est pas moi qui ai écrit, hein, ma Tandori, moi j'y peux rien. Après le coca, tu vas péter autre chose avec l'arbre à chat. Après le coca. Je sais plus. Ok, dire la vérité. Et bah, sachez-le que le petit pouf à chat, c'est chez Action que je l'ai trouvé. Voilà. D'ailleurs, il est retourné dedans. Ah non, c'est Jamie qui est retourné dedans. C'est Jamie qui est dedans maintenant. Voilà. C'était la petite incartade. Ah,
le coca, j'ai renversé. D'accord, oui. Oh, bah, dites, c'est votre faute aussi. Hein. Mozzarella réussit à donner une réponse franche sans vexer la chef. La chef la félicite d'avoir détecté l'erreur et fait d'elle son second de cuisine honoraire pour la journée. Mozzarella gagnée en correction de conflit, donnant une réponse franche à la chef. Ouais, bra 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 bra. Mais non! Alors, Feta est compatissante, Snow est compatissant. Ça, c'est bon, ça, ouais, ça, c'est bon, ça. Alors, tu vas aller là, tu vas aller là. Maman, elle va aller faire à manger. Gastronomique, pasta, primavera. Non, une soupe de courge musquée. Lui, tu vas passer la semaine. Toi, tu vas détendre la télé. Tu vas te détendre la télé. Ouais. Toi, tu vas prendre une douche. Et toi, tu vas regarder apparemment la télé aussi. Oh, regardez un château. Un autre château à faire. J'ai pris une photo. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Non, 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 au lieu de... T'es sous de ma tronche, non? Tu reprends ta courge, hein? Voilà. Kiri est responsable. On ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas. Arrête! Oh! Je sais pas pourquoi elle chiale, mais elle chiale. Ouais, chacun a fait sa petite occupation. Qui c'est qui est mort? Il paraît qu'il y a une personne qui vous admire en secret au Festival de l'amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont à... Qu'est-ce qu'ils ont, les morts, à se réveiller là? Qu'ont-ils donc tous ces morts à envoyer des messages? Toi, tu vas pouvoir aller... Tout ça. Ouais. Allez. Discussion, tout ça. Toi, après, tu iras juste pisser. Voilà. Donc maman, elle finit sa courge, là. Et lui, il bouffe des trucs pas, pourris, je suis sûre. T'es pas fini. T'es comme ton fils adoptif. Ouais, la courge musquée. Ok. C'est ok. C'est bat. C'est in. Un petit appel pour que tout le monde mange. Ah, ouais. Elle aussi, elle aime pas son fils adoptif. Écoutez. Quoi. Surtout, des messages de drague par un cadavre, c'est moyen. Ah bah tu sais, les nécrophiles, ça existe, hein. Sait-on jamais, hein. Peut-être des nouvelles préférences dans les Sims, hein. Kiri réussit à recycler un objet, pourvu que cela lui permette de faire ses envies un peu plus longtemps. T'as fait quoi? T'es chelou comme garçon. T'es chelou. Oui, on a fait deux fois de... Ok. Et ben voilà. Quand j'ai dit... Mais vous vouliez pas que je le tue tout à l'heure, vous foutez de ma gueule. Maintenant, il nous a piqué un des portraits. Et ben voilà. Bravo. Bravo. Voilà. C'était Copper. Adieu, Copper. Tu ne fais plus partie de la famille. Merci. Merci l'adopter. Merci. Allez, dégage. Je veux plus te voir. Fous le camp. Vraiment, dégage de ma vue. Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue!
ne revient plus. C'est comme ça. C'est... Voilà. Dans le cululu, hein. Je sais pas du tout ce moment. Normalement, oui. Il en a fait quoi? Bah, il a recyclé. Mais c'est trop tard. Vous savez, j'ai des doutes hein, là-dessus. Sur le truc... Non, non, mais il s'en va et je veux plus le voir. Ça nous est arrivé, hein. Avec le Legacy, il y a je sais plus qui l'a... qui était tendue de pas assez recycler. Elle a pris une des toiles d'un héritier pour le... pour la squeezer, ou de conjoint d'héritier, je sais plus. Souviendez-vous, si vous étiez là. Et on l'a jamais retrouvé. Je l'ai avec moi. Non? Oula, oula, extension des bras. Extension des bras. Mais qu'est-ce que c'est ça, ça? Reprends ça, toi. Ah. Ok. Saloperie. Allez faire des crac-crac avant qu'il arrive des choses. C'est pas toi que je t'ai envoyé, que j'ai envoyé à l'autre bout de la... Qu'est-ce qu'il a? Lui va bien. Bon, bah, nickel. 21h. Et les filles, elles font quoi? Bah, les filles... l'autre, elle est repartie faire du yoga. Non, mais elle va avoir un body. Laisse tomber, hein. On va toutes pleurer dans le chat après. Hein. Toutes pleurer. Elle est partie le chercher. Ah, chérie. Je me suis mis en maillot de bain exprès pour te demander si tu voulais bien peut-être faire un peu de copulade avec nous. Avec moi, avec nous. N'importe quoi. La copulade. Ça c'est fait. Qu'est-ce que... Bah ils vont se mater un film les trois. Pff, on sait rien moi. Regardez un film, plus de choix. Cinder. Cinder c'est bien de leur génération ça. Les générations de jeunes. Pendant que les parents ils sont en train de s'éclater. Et là, ils se mettent à côté de la porte, genre, c'est bien ce que j'entends, non? C'est les parents, hein, ils sont en train de... On va le dire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jésus! Jésus, on t'a pas demandé... Oh la vache! On t'a pas demandé! Oui. Jésus, il a acheté son dévolu, je crois, là. Et... Ça fait un peu peur, là. Tu me fais peur, Jésus. Tu me fais très peur. Laisse notre fille tranquille, déjà. Oh. Et on te connaît pas, Jésus. T'as beau avoir des beaux, très beaux cheveux, une très belle coupe de cheveux, tu te casses. Je veux pas te voir. On te connaît pas, on t'a jamais vu, on veut pas te connaître. Allez, au revoir, hein, merci. Psychopathe. Attendez, hein, on est bien sur... ouais. Mon copper. J'ai eu peur parce que ici, j'en ai que 4. Bon,
soir, c'est Jean-Michel, l'informaticien. Est-ce que le livre se déroule bien? Pas de crash, pas de reboot, pas de virus. Je vous laisse ma carte de visite. Tu parles juste du live? Non, ça va, pas de crash. Pour le live. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser que... Hop là. En dehors du live, c'est autre chose. Et comment vois-tu, Nélin? Tu tirais du 8. Nélin, tu tirais du 8 qui m'a aidé à retrouver ma session de Windows. Hein, parce que je j'ai pas pu live samedi à cause d'un problème PC. Qui me loguait dans un compte Windows qui n'était pas à moi et que j'avais accès à absolument rien. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais être sur Internet, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Vous allez me dire, c'est pas mal. Mais je pouvais même pas regarder Netflix parce que les enceintes n'étaient pas connectées à ce compte-là, donc je pouvais pas, j'avais pas de son. C'était un petit peu... C'était la génération Orange, Copper. Tu iras dormir après le petit biquet. Voilà. Forcément, et l'autre, il n'est pas encore mort, donc... Ça met un peu plus de temps à passer comme temps. Si tu pouvais faire un truc, pleurer. Hein? On n'est pas en public? Je suis déjà assez moche comme ça. Bon, quoi, j'ai déjà chialé. Hein. En live, hein? Bon. Les fidèles? Les fidèles, ils sachent. Les fidèles, ils sachent. Ils sachaient et nous sachons. Ah, je pouvais que pleurer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et croire en un monde meilleur. Mais ça, visuellement... Visuellement, forcément, je n'y crois pas. Au monde meilleur. La petite DG là. Attends, il va bientôt. Oui, 1h19, on va ranger ça. Ça nous fera gagner quelques. Un petit peu de la bouffe. Hop. Casse-toi. Des bisous, Flore! Bonne soirée à toi! Dors bien! J'espère pleurer de joie. Et je n'y crois plus! La 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 et tout! La la et tout! Avec ta superbe robe de chambre, ma cocotte, c'était magnifique! Eh ben, ça sent bon le petit déj. Par contre, toi, tu sens pas bon, mon garçon. Hein, tu sens pas bon du tout, j'ai envie de dire. Bon, j'ai une idée. Aujourd'hui, c'est dimanche. Personne travaille. Ils vont aller à la plage. Non, tu vas pas lui demander de conseils. Non. Ah. Ah, surtout, je suis en train de demander des conseils. Ça m'agace, moi. Sueur et bonheur. Ouais, t'aimes le fitness. Tu grandis dans... 6 jours. Bonne nuit, Flore tirait du 8, 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 tirait du 8. Jaloux! On va à la plage. Ça sera, oui. Eh mais regardez, Snow! Il n'y a que la résolution de conflit et les manières. Mais il est toujours bleu, il est chiant. Tu peux pas être vert un peu? Que je puisse te faire les manières? Ah, mais les manières, c'est le mettre la table, c'est être poli.
Mais il est déjà poli, en fait. Hein, donc, conversation profonde. Comment s'est passée la journée? Voilà, c'est bien. En vrai... Il a pas besoin! Casse-toi, je t'ai dit, toi! Dégage, je veux pas te voir. Fous le camp. Je t'ai dit d'aller là. Voilà. T'y vas. Moi, je m'en fous de ta vie, dégage. Je m'en fous, je veux pas le voir. Je veux même pas le voir dans mon champ de vision. Fleur en a un plus long, bah ouais. Je sais, t'es jaloux. Qu'est-ce que tu fais? Ah, niveau célébrité perdu, tant mieux, ce sera plus bombe émotionnelle. Tout le monde va bien, tout le monde, il est beau. Ah, il est vert! Super. Il est vert, il va pouvoir complimenter. Il va complimenter tout le monde. C'est comme ça qu'on augmente les manières. Illuminer la journée et complimenter. Ça, ça marche très bien. Pour les... 6 jours, hein, c'est long. Avant son anniversaire. Passe par une phase. Tu te fous de ma gueule, non? Allez, tout, ouais, vous cassez-vous, je peux plus vous voir. Allez faire du bénévolat. En maison de retraite, allez voir les vieux. Ça fera du bien à Marie aussi, elle va être contente. Ça, sa phase, il ira la passer loin de ce foyer. Il a rien dans son inventaire. Bah non, ça n'existe plus. Alors, un Sims âgé prend le bras de Mozzarella et commence à lui raconter ses histoires de jeunesse. Oh, vous avez mon temps. À votre âge, nous n'allions pas comme ça de bénévolat, on le faisait depuis qu'on était né. C'était comme ça qu'on était élevé. Il fallait aider toujours les plus vieux, les plus démunis. Hein. C'était pas une beauté de cœur comme ça, genre j'en fais ça une fois par semaine. Non. Moi, j'allais ramasser. Tous les matins, à 5 heures, je me levais pour ramasser les grains dans les champs. Ah, c'était pas une poule, hein. Et pourtant, c'est elle qui les mangeait après, hein. Non. Moi, je les ramassais à la main, une à une. Et j'avais du mal au dos. Vous croyez pourquoi que j'ai besoin d'une canne et que je suis penchée à 90 degrés? Hein? Et parce que j'ai mal au dos, moi. Je me suis penchée toute ma vie. Hein? C'est pas une petite jeune comme toi qui va m'apprendre à dire des choses, hein? Est-ce qu'on écoute les histoires du Sims âgé ou on va se cacher dans la salle de bain? N'importe quoi. Attendez, j'enlève mon dentier, ça ira plus vite. En tout cas, vous pourrez mieux me comprendre, hein. Si elle part comme toi, je fuis. Bah, ça va. Mais oui, mais Ricardo, tu oublies toujours des mots. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? T'as toujours oublié des mots dans tes phrases. T'as toujours oublié des mots dans tes phrases. Plus simple pour les galoches. Ah, je pensais à autre chose, moi, mais oui. Mais oui, mais je sais, j'ai compris ce que tu voulais dire. T'inquiète, hein, j'ai l'habitude. Hein. Je parle le ricardien, moi. Vous avez un petit sondage qui a popé pour répondre à la question. Est-ce qu'on écoute les histoires des vieux ou on va se cacher dans la salle de bain? C'est maintenant, c'est tout de suite. Sinon, c'est à jamais. C'est comme au mariage. Alors, je sais pas si on peut stopper les mariages avec le nouveau game pack qui va sortir. Exclamation mariage pour voir ma vidéo, évidemment. Mais... En tout cas, dans la vraie vie, on peut s'opposer au mariage. Tu t'es fait. Et il vous reste quelques secondes pour voter. C'est maintenant ou jamais.
C'est vrai qu'on vous voit, j'en sais rien. On peut rompre quand tu es le marié, oui, mais après, je sais pas. Et c'est encore une fois le 1 à 92%. On va écouter les histoires des vieux. Toute la journée, le dent-penchard a ramassé les grains. Mozzarella écoute patiemment les histoires du Sim âgé et trouve qu'il a plein de choses passionnantes à raconter. Elle apprécie sincèrement la conversation. Ah là là, Mozzarella a gagné de l'empathie et amélioré sa compétence faculté sociale en parlant avec le Sim âgé de la maison de retraite. C'est beau. Vous voyez, il a rien. Le bénévolat, c'est amusant et cela forge le caractère. Et puis, c'est bon de faire quelque chose pour les autres. Alors, elle est compatissante, Mozza. Très bien, très bien, très bien. Je vais faire mon petit screen de... Je trouve qu'elle a une bonne tête. C'est juste qu'il y a son fils derrière qui est chiant. Ouais, je le coupe au montage. Comme ça. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des mots qui m'entourent. Non, tu rentres pas. Je veux pas te voir, c'est simple. Parfait. Ah oui, bah écoute, ça pue, hein. Ça pue, comme dirait l'autre. Je vous laisse les petits. Faites de beaux rêves. Pas de soucis, Néla, tu tires du 8. Bonne nuit à toi également. Repose-toi bien. Mets une table vite fait dehors juste pour faire mettre la table et augmenter les manières. Ouais. Vladi Vladou ? Bon, ça va, t'es propre. Viens me réparer ça. Est-ce que t'as besoin de nettoyer les chiottes, toi ? Fais ton bouquin là, je crois qu'elle a même pas fini son bouquin. Reprendre l'écriture de... Ah bah oui, t'en as deux à finir en fait. Comme eux-mêmes. Non, il était pas très naturel celui-là, le comme eux-mêmes. Mais bon. Comment il va mon petit Snow? Les manières et les résolutions de conflits, c'est un poil de cul hein, quand même. Est-ce que tu peux... Voilà, il peut complimenter. Il va y complimenter, c'est bien aussi. C'est très bien même. Voilà. Non, mais vous allez voir la manière. En 2 minutes. 2 minutes de manière tabarnak. Ah, qu'est-ce que tu es bien habillée, ma sœur. Et voilà. Les manières. Les manières. Pour peu qu'il y ait la possibilité de dire améliorer. Je sais pas quoi là. Proposer d'améliorer les relations, je sais pas quoi, mais ça, il faut cliquer sur un Sims qui a une entente médiocre avec quelqu'un. Voilà, Aider, ouais, ça, hop, tiens. Et ça passe, tabarnasse. Tiens, papa, il va se créer une mauvaise relation aussi, tiens, même plusieurs pour ses enfants. Il va aller mal parler aux gens. Oh, il fait beau aujourd'hui, hein. C'est lui, non? Non, c'est... présentation grossière. Ah, j'ai envie d'aller à la plage, regardez, c'est beau. On a envie de se dorer le fion, là, à cette heure-ci. Tu te poses au bord de la plage, tu prends l'apéral. Oui, 16h30, hein, c'est un peu tôt pour l'apéral, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est agréable, c'est... Il fait beau, tout ça. Chupa, Gamba Chupa, Perfa Chupa. Résolution de conflit, il l'a pas encore fait. T'as dit à ta mère? Tu l'as pas fait. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas foutre le feu?
Non, t'es pas censé être sympa avec lui en fait. Voilà. Ah, je vous jure, ils respectent pas ce que je leur demande, ces Sims. Hein. C'est pire que des gamins. Pire que des chats. Ah, bah c'est pour le... Il avait bougé le marchin. Pourquoi il y a une tête? Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu viens faire câlin? Viens dire bonjour au chat. Mais oui, t'as pas dit bonjour. T'es venu me faire t'enquiquiner tout le monde, mais... T'es pas venu dire bonjour au chat? Oui. Se faire dorer l'arrêt? Oh. En compagnie de Julien? Ça c'est bien. Presno, il peut... peut dire... je peux t'aider à améliorer ta relation avec machin, peut-être. T'as dit bonjour? Ah. Il veut pas. Snow, il vieillit dans 6 jours. Oh là là, faut au moins qu'on fasse à moins de... Mais vas-y, mais je t'ai pas demandé de prendre à bouffer, en fait. Mais il me flingue, il rentre chez toi. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre, là? La blague est valide. Ouais, dégage. Toi, tu dégages. Je m'en fous de tes sautes d'humeur, tu fous le camp. Tu m'as volé un truc, tu dégages. Va là-bas. Il se croit où, lui? T'appelles pas Boomerang, à ce que je sache, hein? T'as rien à foutre, là? SMS renversant. Elle a les manières, elle a presque les manières, responsabilité, empathie. Là, sois libre là-bas. Lui, il a juste sa résolution de conflit qui va pas. Mais ça a pas l'air de... Je suis sûre qu'il a pas dit à sa mère. Hein. Parce que sa mère, elle est en train d'écrire. Donc ça a pas validé... Bah déjà, tu vas t'excuser, voilà. Tout simplement, en fait, résolution de conflit, c'est aussi si vous êtes à... Si vous bastonnez avec un de vos frères et sœurs, vous vous excusez après, ça passe. Hein. Par contre, tu fais ce que je te demande, Jean-Claude, ce serait déjà bien. Oula. A vu un comportement inapproprié. Hey, mais calme-toi. Hein. D'accord. Donc il s'entend bien avec sa première sœur, mais pas avec la deuxième. Bravo Céleste, t'as terminé l'écriture d'un livre. Bravo Céleste. On n'est toujours pas résolu son conflit. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi t'as pas tes manières? Meuf? C'est énorme, hein. Tu peux rien dire contre elle, là? Pas contre elle. Waxenex! Discipliné complètement sévère! Hurlais-tu pour avoir créé des mots interdits? Non! Oh, j'en ai marre qu'il demande des conseils en permanence! L'autre là, il est complètement en train de tomber là. Il était de pire en pire, toi. Un vrai mollusque aussi, celui-là. Hein, t'es un mollusque? Que petit machin. Bonne nuit, Fidji, des bisous! Bonne nuit, repose-toi bien, sérieux, ce que tu as fait avec Coquelicot et Bordeaux. Jamais. C'est eux qui ont commencé, c'est pas moi. Salut la brique, comment vas-tu? Bon, il a déjà les manières, il a contre les émotions, il a l'empathie, ça m'embête un petit peu. Oh, une revenante! Merci beaucoup pour ton 7e mois d'abonnement, l'adresse, gros bisous. Demi-bisous à toi et demi-boule surtout, et merci pour le soutif. Désolée de ne pas être trop présente en ce moment, je suis souvent couchée tombe, mais je voulais passer un petit coucou. J'espère que tout le monde va bien, cœur bleu. Cœur bleu.
cul violet qui danse. Ah, oh, j'aurais dû l'appeler comme ça. Cul violet qui danse au lieu de cul de danse, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est facile à rattraper? Contrôle des émotions. T'es pas t'es. Didi maman. N'est pas t'es. Didi maman. Hey. Il me fait. Voilà, médiateur. Mais oui, mais bien sûr. Mais incroyable, du chelu. Comme même. Et viens me nettoyer ça. Mais elle va pas bien et elle fait rien. Elle est trop dans les choux. Un peu. Je crois que Feta. Un peu bizarre quand même. Un peu bizarre, Feta. Feta Salakis. Bon, les deux Globis. Tu vas servir le dîner, tu vas servir du onigiri. La revenante est là. Cœur bleu. Tu veux dire bonjour ou tu es toujours collé à moi là? Ah non, bah non, il veut pas. Il veut pas vous dire bonjour. Excusez-le, hein, il est. Vous voyez bien qu'il se débat. Hein. Il veut pas. Cala maman. Cala maman. Après avoir embêté son frère. Il calme un moment. On va aller aux toilettes, mon petit gars, après. Qu'est-ce qu'il a? Méchant. Face de l'enfance. Mais t'es plus un enfant, hein. Ah mais elle, c'est plus possible. Bon. Ginette, tu vas prendre un bain. Ensuite, tu iras prendre une douche. Une douche. Tu iras aux toilettes. Mais toi, t'es sale, c'est pas grave, t'inquiète pas. En ce moment, soit je rentre tard, soit je me lève hyper tôt, mais je t'ai pas oublié. Ouais, c'est ce qu'on dit. Alors, la bouffe est prête. La bouffe est servette. La manger est servie. Qui c'est qui a faim, c'est par ici. Il y en a quand même plein qui avaient faim un petit peu. Quand est-ce qu'il crève l'autre là? Il est loin la détente, hein? Il s'accroche à la vie, je crois. Ouais, mais les adolescents, c'est pas si facile à tuer, je crois. Du coup, je vais demander un petit récap. Bah écoute, nous sommes sur la fin de notre sommerie, hein. Il nous reste que deux petites choses à faire. Premièrement, attendre que Snow devienne jeune adulte pour qu'il valide la dernière étape. De l'aspiration. Puisque ben il a ah là là, le contrôle des émotions, il a perdu, sinon il a tous les traits en positif, il en faut 3. Donc je suis plutôt positive à son égard, parce que c'est lui qui va nous faire gagner notre Soberry. Les filles viennent de devenir adolescentes, Mozza et Feta. Bon, c'est pour ça qu'elles sont toutes pas belles, parce que il faut passer par la case relooking. Et pour au niveau de vraiment du challenge en lui-même, avec Céleste, donc comme je t'ai dit, la dernière étape d'aspiration, et on est au niveau 9 sur 10 de la carrière, donc en fait, on n'est pas très loin de la fin, de la toute fin, de fin, fin, de fin, de fin. Après, j'allais me coucher, mais je suis là. Je risque de tomber de sommeil sous ta douce voix, bah punaise. Faut que je gueule un petit peu de temps en temps, y'a pas de soucis, hein. Mozza et Feta, je me rappelle, bah oui. Ça doit te faire drôle que notre Soberry s'achève, ça fait 2 ans, il me semble. 2 ans et demi? Voilà, j'avais commencé en juin ou juillet. Un truc comme ça, donc bon. En plein été. Et là, on est en plein hiver.
Bah ouais, ça va faire bizarre, ouais, parce que bon, ça c'est un challenge qui rythme tous les lives depuis depuis 2 ans et demi, à rythme d'une fois par semaine. On sait qu'il y a le rendez-vous notre Sobéry, il y en aura d'autres, hein. Je pense, je verrai. Mais logiquement, oui, il y aura d'autres challenges en live. On verra. Hein? C'est selon vos envies aussi. L'outil passe à Spiro dans la salle de bain après. Mais ouais, ouais, ça fait bizarre, mais c'est bien aussi parce que ça fait long. Ça fait long. Moi, quand vous voyez que sur ma chaîne à YouTube en ce moment, il n'y a que 2 challenges. Putain, il est revenu lui. Il n'y a que 2 challenges et en plus, c'est 2 qui sont très longs. Et que ça fait 2 ans que je les ai commencés, c'est. Bah. Faut s'accrocher, quoi. En pleine canicule, ouais. Disons que c'est pas vendeur, ma chaîne, en ce moment, YouTube. Hein. Elle est pas vendeuse. Ça donne pas envie. Je t'ai pas demandé de faire le ménage, en fait. Ouais. Ouais. Tu peux nettoyer des toilettes. Voilà, contrôle des émotions. Snow a tout de validé. Validé. Attendez, je suis pas avec Snow. Snow, ah la vache. Regardez, tout est allumé. Oh, je vais enregistrer. Pour au cas où. Mais tout est enregistré, tout est prêt. On arrive à 2 heures de rediff. On va se faire le lundi et on s'arrêtera là, je pense. Comme ça, on sera à 4 jours, 5, ça va, du challenge, de la fin du challenge. Peut-être que Célestine, elle aura... Ah, j'ai des cheveux là. Bah, tu me diras, c'est mieux. Peut-être que Célestine aura avancé sur sa carrière. Oh, elle travaille que 4 jours semaine. Gna gna. Ah ouais. Ouais, mais j'ai mal au bras, Jamie, là, à te porter. T'es chiant. Oui, t'es chiant. J'ai mal au bras, je vais avoir des courbatures toutes pour demain. Dis bonjour au chat, ça suffit. Il y en a plein qui partent se coucher, ils t'ont pas vu. Voilà, bonjour. Salut. Là, oui. Ah oui, regarde, il faut regarder là. Là, là. C'est là qu'il faut regarder. Voilà. Tu dis aux gens qu'il faut follow parce qu'on a eu pas, on a zéro follow et zéro follow et tu vas. Ah, si je crois qu'on en a un. Oui, on a eu burger frites sans salade tout à l'heure. Et sinon, ça te fait qu'une seule croquette à manger, c'est pas grand chose, hein. Donc dis aux gens qu'il faut follow. Comme ça, tu as à manger ce soir. Sachant qu'on ne stream pas avant vendredi, vous allez crever de faim tous les deux. Hein? Oui. Allez. Allez. Vends-toi, sers à quelque chose un peu. N'hésitez pas à follow les gens pour que j'aie à manger avec mon frère. J'ai faim. J'ai faim. Je meurs de faim. On est nourri qu'au follow. Un follow, une croquette chacun. J'ai faim. Petit con. N'inquiétez pas, va pour pisser. Il s'est toujours allé sur le canapé. Ah là 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 là. Le pauvre. Mais vous savez qu'elle est pas si forte, hein. Elle est juste à. Au 3. Ne torture pas, donnez-lui une croquette loul. Bah, c'est pas moi, hein, c'est vous. Hein. Ça se voit qu'il est malheureux. Bah oui, il me bouffe là. Il me mange les mains parce qu'il a faim. Eh, hey, vends-toi là, ça sert à quelque chose. Que je t'ai pas acheté pour rien. Non, non, franchement, la lumière elle est pas forte. Hein. Tac, tac. Là, c'est le minimum. Hein. Minimum 1 et 2. Je suis juste à 2 au-dessus du minimum. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Ah, je peux pas aller au-dessus. Voilà. C'est quand même de la différence. Ouais, il se meurt de faim, moi je dis c'est votre faute. Hein. T'arrêtes d'attraper avec tes vieilles griffes pourries. Oh là. Vous avez vu comment il s'est relevé? C'est ce qu'il a dû entendre Titi. C'est Titi? C'est ton frère? Voilà. Voilà. Voilà ce que vous lui faites faire, hein? Il me mord parce qu'il a faim. Parce qu'il a pas à manger, parce que vous vous fourrez pas. Bon, arrête avec tes vieilles griffes là sur mon pull. Casse-toi. Allez, c'est parti. Ah! Ah, ça me gratte de partout ces chats là. Ah, les allergies, c'est pas bon, hein. Mais même pas en rêve, toi, je t'ai dit, casse-toi. Je veux pas te voir, fous le camp. Ah, il est dans la flotte, en plus. C'est bien, ben voilà. Ah, si, le vide dynamique, ouais. Il va dynamiser ailleurs, tant qu'il vient pas chez moi, ça ira très bien. Il a dépéré à vue d'œil, ce pauvre chat. Le canapé encore fait les frais, c'est mais ça. Mais il y a plus de non-sub avec Marine. Il mérite le sac de croquettes. C'est pas pareil. Je te parle pas de sub, je te parle de follow. Toi, tu rentres pas. Et je sais pas ce qu'il veut, qu'il comprend pas, celui-là. Je parle pas javanais non plus, hein. Le sub, c'est la pâtée, ouais. Oh ben, une cuillère à pâté pour 10 subs, hein. Ça suffit. Hein. Les subs, c'est pour le soutif. Il y a besoin. Est-ce qu'il y a des choses à soutiendre? Il y a tout ce gras, là, qui tombe, qui pendouille. Le puni, c'est parce que ce con qui veut faire du recyclage, mais il m'a recyclé le portrait de Copper. Donc, bah, il n'existe plus, le portrait de Copper. Hein, donc, voilà. Donc, je l'envoie loin de moi, je ne veux plus le voir. Voilà. Puis, en plus, il est moche. Ah, vivement que la femme de ménage arrive, hein, parce que quand même, hein, c'est un petit peu sale. Et lui, il retourne nager. Lui, il est sec comme un coup de trick et continue de vouloir faire du sport. C'est beau, hein. Regardez que la lumière qui passe à travers les fenêtres. C'est beau. Bon, elle est un peu mal gaulée, cette maison, parce que c'est moche. Mais en vrai, j'aime bien l'intérieur, il est... J'aime bien le salon et tout, enfin, je sais pas. Tu vas prendre des restes. Et qui c'est qui pue? Ah oui, c'est la poubelle. Ah mais bah écoutez, moi j'y peux rien. Hein. Faut aider les poubelles, hein. T'as fait tes devoirs, toi, Jeannette? Fais du travail supplémentaire vu que t'es là. Non, tu rentres pas. Tu dégages, mon fou, tu vas en cours, tu fais ta vie. Je veux pas te voir. Je suis un monstre. Cop cop qu'il crève, exactement. Shamba Bluff. Alors regardez ce jeune homme qui a très très faim de la vie. Il avait très très faim, donc il avait très très faim. Non, toi t'as déjà bouffé. Ah non, c'est bon. Non mais... Niu, tu vas à l'école alors que tu vas puer le fennec. Claire Robert a été adopté par le foyer Drago. Mais le foyer Drago, ça fait longtemps qu'il est là. Hein.
Ils continuent à faire leur petit bonhomme de chemin dans leur coin. Ah, oh, comment ils bouffent, mais ils me dégoûtent. On dirait moi, mais il faudrait que je me filme pour que je puisse me dégoûter aussi, puis que j'arrête de manger. Il devrait être mort là, de base, là, combien de jours et qu'il erre dans la plage, je sais pas, 3. Ouais, mais c'est des ados, tu sais, ils ont des ressources. Hein. Ils ont des ressources. Elle, elle travaille à 10h. Ok. J'allais dire, il fait toujours aussi beau, il fait canicule, hein. Tu vas te faire bronzer nu, vu que t'as pas d'enfant. Ah. Je suis nue sur mon transat. Et personne ne me voit. Oh. À part les poiscailles. T'inquiète, tu vas aller... Alors, en vrai, elle peut pas se bronzer grand-chose, parce qu'il y a à peine du soleil sur son pied. Mais comme on dirait ta gueule, c'est magique, donc elle va bronzer de partout. Même de l'arrêt du cucu. Et oui. Même de l'arrêt du cucu. Et arrête de faire le ménage. Tu as une femme de ménage qui va venir après. C'est pas possible celui-là. Tu tires à bronzer nu aussi. Ah, tu peux pas. S'il faut être dans l'eau, c'est ça. Tire à patauger là, ça. Faut toujours un boulet par génération. Ah bah, celui-là était tout trouvé. Normalement, il doit être mort. Ah oui, ça j'ai lu. Kiri, c'est le vilain petit canard à la famille. C'est lui qu'on voulait pas, mais on avait pas le choix. C'est ça. Là, c'est les eaux profondes. Et là, donc ça marche. Ah, voilà, toi aussi tu vas te faire bronzer le Sgegos. Va te faire bronzer le Sgegos, vas-y. Voilà, allez. Juste avant de... Oh là là! Quel joli bronzage! Allez, 7900 les factures! On se balade tranquille, hein. Elle est chez elle. Hein. Elle est revenue si elle veut. Hein. Allez, 898 de droit d'auteur. Mais tu vas pas astiquer en fait, meuf. Tu dois juste aller travailler. Et lui, il se fait bronzer aussi la Nasgeges. Ouais. Je t'ai dit, va bosser. Oui, va bosser. Tu vas choquer la femme de ménage, attention. Hein. Ah voilà, c'est bon. Pareil, la femme de ménage, elle aura un peu de taf comme ça. Elle sera pas payée pour rien, celle-ci. Pas comme d'autres. Jure, je suis seulement KO, même le clic de ta souris me berce. Ah, je suis désolée, c'est vrai que vous l'entendez maintenant. Alors ! On va se faire des contacts. Un petit peu. Bon, beaucoup. Ah, voilà, nous essayons d'améliorer notre relation. Je crois que là, il va être bien. Tout bon, tout nu et tout bronzé. Qu'on est bien un as que vient l'été. Alors ? Vous aussi, vous avez, ça vous donne envie d'aller bronzer nu au milieu de la plage, comme ça ? C'est bien, hein ? Est-ce que vous bronzez nu déjà, vous ? Fais-le bosser dur à l'école, comme ça il revient encore plus fatigué. Vous êtes des monstres. Pire que moi. Lui il va être rouge et car... Oh la vache ! Ah ! Il est aussi rouge que ses cheveux. Ça, c'est un teint de... C'est pas un teint de roux, hein, non. C'est pas un teint de roux, ça. C'est pas un vrai roux, ce garçon. Alors, devant tout le monde, Kiri. Rien à foutre. Il a reçu un lapin d'excellence.
Et ils se sont mis en mode... Regardez-moi ça comment il est. Il est bronzé. Bronzé oui, nu non. Ah. J'aurais essayé. D'aller dire de vous convaincre, mais même moi je ne le fais pas, évidemment, faut pas déconner. Je voudrais pas. Quoique, je pourrais faire fuir tout le monde, j'aurais la plage pour moi toute seule. T'es un bon deal. T'es un bon deal. Bronzé nu, absolument pas. Déjà bronzé, j'évite car j'ai la peau trop claire. Ouais, ouais, je comprends. Bah, moi je bronze pas, hein, je crame. Hein, donc, jamais bronzé, j'ai la peau trop sensible. Pause déjeuner. Céleste a environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Est-ce qu'elle va à la salle de sport ou est-ce qu'elle lit les blogs de conseils de carrière? Ça peut faire tout. C'est à vous de me dire. C'est maintenant, tout de suite. Est-ce que vous allez m'aider à finir le Note Sauberry ou juste vous allez pas m'aider à finir le Note Sauberry? C'est vous qui me dites. Et vous me le dites maintenant. Alors, sport, à la salle de sport, très bien. Sport 2. Bon, 15 minutes au soleil et je suis bronzée. Ah ouais. Moi, genre, mes jambes, je les laisse une éternité. Je rosis un peu, mais le lendemain, il n'y a plus rien. Sport, 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 sport. Moi, je bronze pas, mais j'ai pas de coup de soleil. C'est mieux. Sport, sport. Bon, moi, c'est un full sport. Hein. On est sur du 100% sport. T'as jamais eu de coup de soleil de ta vie. Et c'est un petit gain de performance en fitness. Et ça a grimpé. Merci, merci, merci. Vous allez m'aider à gagner le Note Sauberry. Si le Note Sauberry peut se gagner, évidemment. Ah oui, lui, il est toujours à Walp. Avec le sgué galère. Oh, comment il est cramé. Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher les coquillages. Ah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Attendez, on a une meilleure vue d'ici. Oh, on peut croire, non? Regardez, imaginez, c'est pas pixelé. Ah, on voit un bout de cul ici. Ici, on voit un bout de cul, imaginez. Oh, on voit sa raie. On voit sa raie du cul. On voit sa raie du cul. Les Sims, c'est pour étudier votre truc. Hein. Et on voit la raie du cul, hein. Là, on la voit bien. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. On voit l'arrêt du cul. Hein. Il manque plus que le service 3 pièces. Hein. Et on est bien. On est bien. Nous avons donc l'arrêt du cul de Vlad. Il nous aura fallu un certain temps avant de voir l'arrêt du cul d'un Sims. C'est chose faite. Sans mode. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. C'est un petit cul qui danse pas, mais c'est la Reduc. La Reduc, elle est là. Je vais envoyer un screen. Je vais leur mettre sur Discord. J'ai va falloir revoir les pixels. La Reduc, là là là, c'est ici, ça, c'est caché, hein. Là, on voit rien. Ouais, il suffit de trouver... Ah, 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 le côté. Oh, l'arrêt du cul. L'arrêt du cul. Vous n'avez rien vu, d'accord? Hé, hé, hé. Belle petite fesse, hein. Oh, ya, ya. Oh, et maintenant, je veux voir que ça. Mais c'est lui qui se penche tout seul, j'y peux rien, moi. Lui, s'il arrête pas de trouver des trucs, du coup, je serai... Oh mon dieu, l'arrêt du cul. Ah, je vais me faire ban Twitch rien que pour ces conneries. Nudité. Moi, j'y peux rien, moi. Je suis innocente, hein. C'est pixelisé, c'est pour bien pixeliser, c'est tout. Mais il peut pas, bah non, il peut pas se pencher dans l'autre sens.
Je suis allée à chaud. Non, non, ça va. Il se balade à Walp, ça me tue. Non, parce que là, on aurait une très bonne vue aussi, mais c'est pixelisé. Hein? Là, on voit rien. Ah, 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 le cucu. Le cucu. Mais ça me tue. Je pensais pas qu'on verrait, hein. Comme même. T'inquiète, Twitch, elle a l'habitude de voir des têtes de cul. Ça va. Plus de, plutôt deux fois qu'une. Hein. Les têtes de bite aussi. Ah, oh, sacré Vladi Vladou, ouais. Tiens, tu nous as rendu notre Sobéry plus doux. Ah, maintenant, il a assez exposé son attirail à l'air. Il est parti noyer le serpent. La sauciflette. Non. Oui. Ah, projet scolaire. Super. Kiri, tu dégages. Je veux pas te voir. Fous le camp de ma vie. Fous le camp. Dégage. Oui, oui. Oh. Ah ouais, bah oui, t'es parti. T'étais dégueu. Hein. Ouais, elle est belle quand même. Comme même. Hein. Ah, papa et tout. T'inquiète, Amélie, c'est bon, c'est notre père, mais t'inquiète, il est sympa en vrai quand tu le connais. Hein. C'est juste que, moi, bon, des fois, il se balade à poil, mais c'est pas tout le temps. Je te rassure, en général, il porte quand même un truc. Juste là, il s'est dit, oh, j'ai chaud. Il y a personne à la maison. Je laisse sortir la bestiole. C'est comme ça que ça se fonctionne. Mais elle va pas voir ce qui se passe. Mais parle à la fille. Ouais, elle s'est rhabillée. Alors, toi, tu vas illuminer la journée. Ta soeur aussi. Hop. Voilà, on a payé les factures. Ah, mon Dieu. Oh, ce look. Oh. L'autre avec ses chenilles là. Mon Dieu. Non, pour finir. Hein. Stibu Flibo. Yaba Shabarababa. Ah! Donc j'attendais qu'on ait justement notre petite Célestine qui rentre pour qu'on fasse le point où on en était. Pas encore, ma biquette. La semaine prochaine, c'est la fin. La semaine prochaine, it is the end. On pourra passer au moins 3 jours de travail. L'envoyer en plus, parce qu'elle est bourreau de travail, si elle veut y aller en plus. On est déjà une performance excellente. Hein. On n'est pas trop loin. On a encore une case à monter. Pour arriver au dernier créneau de cette carrière. Toute dernière carrière du Not So Berry. Et notre Snow National, lui, a tout validé en qualité. Et il lui reste 5 jours avant de devenir jeune adulte. Donc ce sera évidemment pour la semaine prochaine. Ça nous donne un petit délai tranquille. Facile. No stress, y a point S, tout ça, tout ça. On va faire une petite... on va faire ça, commencer à travailler soigneusement. Les filles. Ah, c'est bon, vous êtes en pleine forme aussi. Hein. Allez. Toi aussi, hop. Et toi aussi. Je sais pas pourquoi t'as pas la même chose que les autres, toi. T'as, pourquoi t'as des trucs d'enfant? Papa, il va aider son fils. Maman, elle va aider sa fille. Et l'invité, la copine, là, va inviter, elle va aider la dernière. Ça, ils sont toujours à deux. Demander de l'aide pour le projet. Qui c'est qui tape des crises là? C'est Mozart. Voilà, une bonne brochette de travailleurs de machin.
Comme ça, au moins, ça va plus vite. Parce que quand ils sont tout seuls, c'est long. Mais si vous pouvez réquisitionner des gens, les camarades de classe, machin, oh là, ça va tellement plus vite. Cette belle image, je sens que je vais faire de beaux rêves. Je tiens plus, mais ça m'a fait plaisir de passer. Quand elle... Non, mais pas de soucis. Des bisous, la drôlesse. Promouvoir la bagarre, un peu construire, améliorer plus vite. Niveau 2 de la physiologie. Eh ben dis donc, ça travaille, hein. Il y a les neurones qui chauffent, hein. Il n'y a que Mozza qui va pas très bien. Mozza, c'est la dépression. La dépressitude. Qu'est-ce que c'est ça? Olivier Oliver Moore, je ne connais pas, mais s'il veut aider un projet... Pas de soucis. Tiens, c'est Feta qui va le réquisitionner. Merci beaucoup, Wagon Restaurant, pour ton follow. Bienvenue à toi. Et ça fait une croquette. Titi, tu pourras manger une croquette ce soir. Où est mon bébé? T'es content? Il n'a pas l'air parce qu'il a les oreilles toutes plates. Ton frère? Ah oui. Oui! Youhou! Vas-y. Ah bah c'est bien, tu vas réquisitionner, hop, et là ils ont fini. Bah nickel, bah en fait ils ont tous fini. Wouah, un pont. Wouah. Wouh, et un pont aussi. Wouah. Bravo. C'est vous les bestes. Voilà. Allez, après, sur ces émotions incroyables, tu vas faire quoi toi? Non, c'est pas à toi de faire à bouffer, ça t'assure. Tu vas servir le dîner. Pas de poisson, sinon elle va taper à la crise, ta soeur. J'ai dit non, tu vas au pipi. Voilà, pipi. Voilà. Non, tu vas pas agresser ton père, ça suffit maintenant. Ça sufflax. Bon, elle s'en va. Finalement, les camarades de classe, ils viennent que pour aider pour les projets et après c'est bon. Ils vont se battre tout le temps pour rien avec ce plan d'action. Non, je crois que je les ai désactivés. Donc en fait, même s'ils sont là, ça se valide pas quoi. C'est des follow, c'est les follow du manger ce soir, c'est ça. Ils vont pas mourir de faim, ils auront deux croquettes. Chacun. Oh, t'as 40 000 personnes qui fait à bouffer. C'est bon. T'as Nini, moi, participer à la cuisine. Cuisine. Regardez-moi, là, les deux, là. Oh là là, ça sent bon ce que tu fais, là, franchement, là, j'ai envie de dire que... Ah, participer tous à la cuisine. Voilà. Ça dépend du plan d'action, mais je suis d'accord, beaucoup d'énervant, très peu d'utile. Ouais, mais je les ai désactivés il y a un moment. Oh l'enfer! C'est ça la participation à la cuisine? Il y a tout le monde qui va de son petit commentaire? Ah oui, c'est bien ce que tu fais. Non, tu devrais faire ça. Non, moi je mettrais un peu de crème. Oui, les légumes ils sont où? Non, mais franchement. Et puis alors, les légumes ils sont où? Et la crème alors? Et puis moi, tu m'as mis où? Et puis alors, t'as du prix du crabe? Non, parce que sans crabe, ça a pas de goût quoi. Les relous. Ah, c'est les fondues de manger. Ah oui. Burger, frites, salade, je sais pas quoi. Et wagon resto, j'avoue. Bientôt fini pour ce live. Et voilà. Et oh, mais t'attends deux secondes, non? Que ta fille, elle dise à la table, oh. Mais c'est quoi ça? C'est morphale. Eh, mais arrête, je te jure, t'arrêtes d'agresser ta soeur. Mais il est pas bien dans sa tête, lui, hein.
Ah, je te jure. Un petit peu salopard sur les bords, lui, hein. Snow, tu files un mauvais coton. Ah, il aurait pu s'appeler Coton. Sois un peu sympa avec ta sœur. Ah, mon titi. Non, oui. Mon titi, il avait une sœur. Ouais, elle doit toujours être là, mais... Hein? Moi, je voulais qu'un garçon. Ah, mon titi. Ah oui. C'est ta petite sœur. Sa sœur qui était tigrée, d'ailleurs. Dis des trucs sympas à ta sœur. Qu'elle se sente mieux. Parce que là, elle... Franchement, la vie est trop dure, quoi, je veux dire. Hein. Non, mais tu vois, moi, j'ai à peine eu 3 likes sur, sur ma photo Instagram. Ma vie est foutue. Non. Ah, mais moi, je veux des likes. Je touche avec les codes, par exemple, d'action, je sélectionne direct les moins pénibles. Est-ce que Jean-Edouard, il avait pas répondu à mon texto, hein? Pourtant, je m'ai envoyé une photo de moi en petite culotte. Ah, j'en ai marre, la vie, mais qu'est-ce que c'est de la merde? J'ai envie de mourir, j'allais me noyer dans la baignoire. Il est parvenu, hein, je sais pas où il est. Je vois plus. Et tout guéré. Vas-y, va être guéré là-bas, là. Regarde, ici. Là. Voilà. Est-ce que ta mère, elle peut t'éducationner? Alors... Poser des questions sur la phase. Alors mon fils, pourquoi tu es si méchant avec tes sœurs? Encourager à terminer les projets scolaires. Aider à satisfaire les besoins. Encourager à se retenir. Donner un second souffle. Discussion satisfaisante. Laisse-moi profiter de ma méchanceté. Me punir pour mes actes m'apprendra à mieux me comporter. Tu veux vraiment tout gâcher. D'où les gamins, ils ont un esprit de rétrospection comme ça maintenant. Ah, 5 jours. Qui c'est qui... Nila, il est presque 23h, Nila. Pourquoi tu viens chez nous à cette heure-là, Nila? Oh là, le tas de merde. Non, mais t'es pas obligé de faire tes devoirs, chaton. Allez-moi ça, c'est beau. Tu vas pipi et tu vas dormir, en fait. Salut ma sœur, comment vas-tu? Ah. Alors ici, t'es dans la maison du fitness, hein. T'es un petit peu grasse. Mais ça te va bien, hein, je dis pas, hein, mais... Ah, à l'œil des bébés, c'est pour ça. C'est pour ça qu'elle est un peu grasse. Ah non, elle en a eu qu'un. Oh bah, tiens, on va t'en faire un deuxième alors. Ah, ça marche pas. Il n'y a plus de place. Oh là là. Vous savez, il n'y a plus de place. Il y avait tant de monde que ça dans sa baraque. Fais-le nager, il se noie. Bah, normalement, il doit nager, mais bon. Il va nager. Avec un peu de chance, il va y passer. Qu'est-ce que c'est? Ah, elle est là. Ok. Elle va squatter la bouée? Oh la vache.
Voilà, faut pas bronzer à cette heure-ci, hein. Tu vas pas prendre beaucoup en soleil. Hein. Et c'est sur cette magnifique flottaison de Nila que nous allons nous quitter. La semaine prochaine sera le dernier. L'apothéose, le nœud de Sobéry prendra fin. Au revoir le nœud de Sobéry, longue vie au nœud de Sobéry. À jamais, le nœud de Sobéry. Les ados peuvent mourir, bah j'espère! Allez, va crever, toi! Dégage! Va te faire bouffer par les goélands s'il faut. Voilà, c'est ça qui se passe quand on fait n'importe quoi et qu'on détruit un portrait d'un héritier. Enfoiré. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'est pas de notre sang. Je vous l'ai dit que c'était une mauvaise idée d'adopter un gosse. Hein? Voilà. Et ben lui, il reconnaît pas les héritiers. Il s'en fout, il sait pas de sa famille. Alors du coup, rien à fiche. Il a recyclé le portrait. Rien à foutre. Salaud. 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 Toi, tu manges pas, t'as pas faim. Tu vas te coucher. Bon, toi, Ginette, par contre, tu t'en vas aussi, parce que c'est... J'ai pas envie que tu piques aussi un autre cadre et que t'en fasses n'importe quoi. De la chair à pâté, peut-être. Ou de la chair à saucisse. Allez, Nila, à la prochaine. Sur ce, nous... On va se laisser pour de bon. Je vais enregistrer. Et je vais donner rendez-vous la semaine prochaine. Sinon, ouais, c'était plus cool que la semaine dernière. Mais comme on avait bien annoncé la semaine dernière, je vous rappelle qu'on n'est pas très loin du niveau 10. Et que dans quelques jours... Oh, bah lui aussi va avoir une meilleure note. C'est merveilleux tout ça. Dans 4 jours, Snow sera jeune adulte. Et donc, on pourra valider le note Sobéry. Voilà, nos deux objectifs seront atteints la semaine prochaine, en tout cas je l'espère. Et on se donne rendez-vous d'ici là, YouTube. J'espère que l'aventure vous aura plu d'ici là, que l'autre il sera crevé aussi d'ici la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. À très bientôt YouTube. Adios.